Alors, je ne vais pas me présenter puisque tout le monde me connaît, personne ne va me présenter, c'est un peu ridicule. Je vais vous donner le plan de ce que je pense. Alors, il faudrait éteindre vos micros. Sauf Angélique, Mylène, je vous ferme le micro. Ferdinand aussi, Quentin aussi. Voilà, il faut fermer vos micros parce qu'il y a une radio quelque part. Voilà, c'est bon. En principe, je dois plus avoir. Voilà, c'est ça. Donc, je vous donne le plan de ce que je pense vous faire, ce que je pense vous présenter. Alors, comme je vous l'ai annoncé, comme je l'ai redit tout à l'heure, il s'agit de montrer exclusivement des photos de temples. Alors, je vous ai mis deux ou trois photos de villes pour faire un peu connaissance du monde, mais que vous n'ayez pas quand même l'impression que Taïwan, c'est qu'une série de temples, même si c'est certainement une des densités religieuses les plus importantes du monde. Je pense que ça doit être la densité un peu américaine, sauf qu'aux États-Unis, c'est une grande variété de religions. Toutes les religions de la planète y sont, mais la majorité sont des églises chrétiennes, qui sont pas forcément toujours extraordinairement jolies, hein, puisque beaucoup sont protestantes et donc sont totalement dénuées de décoration, alors qu'à Taïwan, la majorité des bâtiments religieux sont des temples absolument extraordinaires. Alors, je propose de vous montrer d'abord une carte, ensuite je vous ferai deux types de petits survols, enfin je vous montrerai des temples à Taïwan dans la région du centre et dans le sud. Puis, je vous montrerai un temple à l'empereur de Jade, de Jade Emperor, qui est dans une ville du centre et qui est un temple absolument extraordinaire, très célèbre. Alors, chaque fois, on y va avec des Taïwanais, hein. Puis, je vous montrerai des photos, et là, Angélique pourra intervenir parce qu'elle est avec moi aussi, d'un énorme temple bouddhiste ou complexe bouddhiste dans le sud de l'île et qui s'appelle le Foguanshan, le temple Foguan, qui est vraiment gigantesque. C'est là qu'on se dit que les catholiques qui ont toujours des complexes à cause du Vatican, une fois que vous allez à Taïwan, vous n'avez plus aucun complexe. Et en plus, bon, là, c'est à Taïwan, c'est un peu plastique, hein, c'est pas tout à fait du Michel-Ange ou des choses comme ça. Et ensuite, je vous montrerai un autre groupe qui est très intéressant, où je suis allée avec Eileen aussi, puis avec Angélique, qui s'appelle Tianti ou Tiandi Teachings, qui est très épuré. C'est-à-dire que vous verrez, c'est quand même un groupe chinois à l'origine. Enfin, qui reste chinois d'ailleurs, mais je veux dire qui vient de la Chine populaire, qui a été évidemment expulsée. Mais l'architecture est très japonisante, donc c'est très intéressant. Je vous montrerai quelques bâtiments chrétiens, mais très peu, parce que j'en connais en fait assez peu. Et puis les cimetières, qui sont absolument. J'en ai vu des très, très, très beaux à Taipei. Voilà. Et voilà, donc ça sera un tour d'horizon. On ne fait pas avec questions. Alors, évidemment, si vous avez des questions à poser, les questions en fait à poser, vous pouvez me les poser chaque fois que j'aurai fini une série de photos, hein. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, premièrement, les cartes. Alors, j'avais déjà fait ça la dernière fois, mais c'est pour vous donner une idée d'où est Taïwan. Alors, vous voyez ici, vous imaginez bien qu'en ce moment, les Taïwanais sont sur les dents, puisque l'invasion de l'Ukraine leur rappelle cruellement qu'ils sont dans l'assiette de la Grande Chine, hein, et donc ils ont très peur. Et une autre photo qui va vous montrer Taïwan plus particulièrement. Voilà. Donc les temples que la dernière fois, quand je vous ai montré les temples de Weixin Shenzhou, on avait vu des temples à Taipei, des temples à Nantou, par ici, Taichung, et puis c'est tout. Et ici, à Yilan. Cette fois, Mais je vous on voit montrerai. pas la carte là. Tu la vois pas? Ah, pardon, oui, Non, bah, tu partages. évidemment. Oh, excusez-moi, j'ai perdu l'habitude. Excusez-moi. Alors, d'abord, merci Angélique. Donc là, vous voyez d'abord c'est ça, vous voyez Taïwan? On voit Taïwan, ouais. La Chine Taïwan asiatique. tout petit et la Chine, hein, c'est bon? C'est ça.
Bon, et ensuite, vous allez voir, excusez-moi, hein, et ensuite, vous allez voir Taïwan, mais il faut que je refasse ça ici. Alors, attendez, arrêtez de partager, et il faut que vous voyez, oh, je suis désolée, parce que je suis en train de me dire que, voilà, j'ai perdu l'habitude depuis la semaine dernière. Voilà. C'est bon? Vous la voyez? Là, on voit quand... voilà, Taïwan. Vous voyez Taïwan? Voilà. Donc, on va voir des temples dans le nord, Taipei. Voilà, ici, attendez. Ici, là, d'accord? Des temples à... Quand on verra le groupe qui ressemble un petit peu, enfin qui a une architecture japonaise, bien qu'en étant complètement chinois, il est dans ce comté ici, le comté de Miaoli. À Taichung, on verra plusieurs temples. Et à Tainan, on verra aussi des temples, tout ça des temples taoïstes, ou taoïstes, c'est entre les deux. Hein. Et l'énorme centre bouddhiste est là. D'accord? Voilà. Donc maintenant, j'arrête de partager là et j'embarque avec vous. Pour, alors excusez-moi, on a l'impression que j'ai jamais fait ça, mais alors, donc là je vais vous passer vraiment pas mal de photos de ces temples. Alors j'explique évidemment les temples que c'est, mais ne me demandez pas une explication très complexe sur le type de religion, les caractéristiques de la religion, parce que je serai incapable de vous le montrer, de vous l'expliquer. Bien, est-ce que vous voyez là une vue d'avion? Oui. Bon, alors je vous ai mis cette vue pour vous donner un aperçu de la densité religieuse de Taïwan. Taïwan a été comparé à un porte-avions des religions, mais c'est une des. Alors c'est un tout petit pays, hein, la carte vous l'avez vue, c'est petit, c'est 23 millions d'habitants. La densité, alors vous trouvez ça sur Internet, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je ne sais plus, le taux d'église, enfin de bâtiments religieux pour 1000 habitants est un des records du monde. Mais encore une fois, moi j'ai l'habitude des États-Unis, et aux États-Unis, vous avez encore plus de bâtiments religieux, d'églises partout. Alors ça, c'est quand on atterrit, j'ai pris des photos et vous voyez partout des temples. Vous en voyez un là. Si on cherchait bien, je suis sûre, si je pouvais faire des agrandissements, vous en verrez, vous en verriez également ailleurs. Alors là, une idée pour vous donner les idées de la rue. Ça, c'est Taipei, enfin, c'est la grande capitale. Et ça, c'est il y a plus de 10 ans, c'est la première fois que j'y suis allée. Et j'allais assister à un congrès de notre centre, du CESNUR. Vous avez vu un entretien avec Massimo Introvigne et c'était organisé par un ami à nous. I don't know, Eileen, if you were present. This was in 2011 and it was Clyde Forsberg who had organized it. I don't know if you could come. Et qui avait organisé ça dans une université où il était et qui est une université presbytérienne. Donc, je vous le montrerai à la fin. Mais j'avais été très surprise parce que j'étais arrivée avant le congrès, quelques jours avant pour visiter justement, et j'avais vu beaucoup de temples que je vais vous montrer. Et le colloque était dans une université presbytérienne parce qu'en fait, les protestants et les presbytériens en particulier ont été très actifs dans les missions en Asie, de même qu'en Afrique, et à Taïwan. Alors, Taïwan, c'est une île, vous savez, qui a été peuplée. Alors, la dernière fois, vous avez vu les peuples indigènes, ceux qui avaient des costumes très tébariolés, qui sont là depuis très longtemps, mais on pense bien entendu qu'ils viennent du continent. Ce sont ce qu'on appelle les autochtones, hein, de Taïwan. Puis, il y a eu plusieurs vagues, hein, de chinoises, de l'ethnie majoritaire, des Han, au 16e, 17e, etc. Et évidemment, à chaque fois, il peut y avoir, si vous voulez, des heurts avec les nouveaux arrivants, parce que ça continue à être peuplé. Et les derniers grosses vagues sont arrivées, évidemment, au moment où la Chine est passée sous le contrôle du communisme et de Mao Tse-tung. Et Chiang Kai-shek, son ennemi, est arrivé donc à Taïwan avec ses propres troupes. Donc ça, c'est à partir de 49-50, etc. Mais on a parfois
l'impression que l'île a toujours été démocratique, puisque c'est un îlot de démocratie, hein, vraiment dans le monde chinois. Mais en fait, Chiang Kai-shek, puis après son fils et même son successeur, ont instauré la loi martiale, ce qui fait que l'île a été placée sous loi martiale jusqu'aux années 80. Les premières élections libres, c'est 87. Alors, ça s'est ressenti au niveau un petit peu religieux parce que les gens, en venant du continent, ont amené leur religion, qu'ils ont pu pratiquer, etc. Mais il y a eu beaucoup moins de nouvelles religions puisqu'il y avait quand même des contraintes, etc. Mais à partir de la fin des années 80, beaucoup de nouvelles religions sont apparues. Et celle dont je vous ai parlé la dernière fois, date de cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de tout d'un coup grande liberté et beaucoup de nouvelles religions sont arrivées. Alors, celles que je vous montrerai aujourd'hui, c'est essentiellement des très vieilles religions, c'est ce qu'on appelle la religion chinoise populaire, c'est un mélange taoïsme, bouddhisme, confucianisme, chamanisme, etc., etc., c'est très complexe. Mais c'est un pays qui est très, très actif. Vous savez très bien que sous la loi martiale, les gouvernements ont accéléré les progrès économiques et que Taïwan est devenue une très grande puissance, un des fameux tigres hein, d'Asie. Ça se voit à tous les niveaux. Mais c'est quand même beaucoup moins riche que la Corée. La Corée est allée encore plus vite. La Corée était complètement rasée après la guerre en 1953, hein, mais a gagné la 10e place mondiale d'un point de vue économique. Taïwan est plus en arrière, mais Taïwan est moins peuplé. La Corée, c'est 50 millions, Taïwan, c'est 23 millions. Mais la dernière fois que j'y suis allée, je suis allée plusieurs fois à Taïwan. Je crois que j'étais avec toi, Angélique. Le chauffeur de taxi se plaignait parce qu'il venait de Hong Kong et qu'il trouvait que Taïwan était très pauvre. Alors, j'ai failli lui dire, vous n'aviez qu'à rester à Hong Kong. Mais bon, je pense qu'il avait fui parce que ce n'était pas tenable pour une autre raison qui n'était pas qu'économique. Alors, j'ai mis cette photo-là parce que, par exemple, ça, vous ne pouvez pas le voir en Corée. Là, ils sont tous avec des petites motos. En Corée, vous n'avez que des voitures, hein, il n'y a pas du tout ça. Et voilà. Alors, j'avais demandé à un ami, un de mes étudiants qui avait vécu à Taïwan, de me trouver quelqu'un pour me guider les premiers jours avant le congrès. Donc, il a trouvé une jeune étudiante et je lui ai dit, évidemment, je veux voir les temples. Alors, elle m'a menée dans beaucoup de temples. Donc, ça, c'est vous sortez de votre hôtel, vous faites quelques mètres et vous avez des temples. Alors, les temples fonctionnent un petit peu comme ce que vous avez vu la dernière fois, sur le principe, évidemment, des prières aux diverses divinités et aux offrandes. Et beaucoup d'encens, donc il y a beaucoup plus d'encens que chez nous et en permanence. Donc ça, c'est un temple taoïste qui était dans la rue. Parfois, on rentre comme ça. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y a tout le temps des gens qui viennent, qui font des prières et de la divination. Donc cette dame ici que vous voyez, bon, la photo, elle est un peu blanche, mais vous allez voir, elle demande quelque chose. Donc, il y a à droite, hein, il y a les divinités qu'on ne peut pas voir. Et elle va jeter par terre des espèces de grosses castagnettes. On en verra un petit peu plus tard. Et selon la manière dont… Alors, on la voit ici. Voilà. Vous voyez, elle les a jetées. Selon la manière dont elles sont tombées, elle peut savoir si le résultat est positif ou négatif. Donc, elle demande, on fait tout ça hein, aussi, on demande toujours de l'aide pour la santé ou les examens ou Dieu sait quoi. Voilà, et ça, c'est un petit temple, c'est dans ce qui s'appelle New Taipei, enfin le nouveau Taipei, c'est entre Taipei et la mer, ce n'est pas le centre de Taipei. Et partout, il y a toujours des offrandes absolument magnifiques. Là, ce sont des fleurs, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Alors, ici, ça c'est toujours la dame. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Vous voyez l'autel avec les divinités. Je ne peux pas les identifier, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de néons. Ici, il y a les fameuses tours de lumière où il y a les noms et puis des petites loupiottes qui sont pour l'année, qu'on a payé pour l'année et qui sont, comme on l'a vu la dernière fois, soit pour demander des bons résultats aux examens, soit pour la santé, soit pour tout un tas d'autres choses. Et on les trouve dans tous les temples. Alors moi, j'en avais vu d'abord dans les temples bouddhistes, mais en fait, on les trouve dans tous les temples là-bas. Les vasques à encens sont absolument magnifiques et on verra tout à l'heure le rituel pour agiter l'encens, c'est-à-dire qu'on prend les bâtonnets puis on s'incline d'une certaine façon, mais vous le verrez tout à l'heure.
Alors, voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez dans les temples, en fait, vous avez des nuages entiers d'encens. Alors, il faudrait que je n'ai pas osé demander, je connais bien le grand spécialiste du taoïsme à Paris, qui est à l'école pratique des hautes études, qui est Vincent Gossart, mais je n'ai pas osé lui montrer 3000 photos pour lui demander d'identifier toutes les divinités. Il est bien évident que, comme pour les saints dans une église catholique, les Chinois, eux, peuvent les identifier, c'est-à-dire que selon la coiffe, alors parfois, vous verrez, on en voit beaucoup avec ces espèces de petits rideaux, ils sont tous reconnaissables, hein, puisqu'ils sont tous faits sur des modèles, évidemment, qui sont transmis d'un artiste à l'autre. Hein. Alors, mon impression, c'est que c'est en plastique ou en bois, mais c'est très bien entretenu chaque fois. Alors, j'ai pris ça parce que ça fait partie évidemment des offrandes. Alors, j'avais montré une fois quelques images à mes étudiants qui m'ont dit ah, mais c'est la svastika nazie. J'ai dit oui, certes, mais c'est un vieux symbole d'Asie qu'on retrouve dans l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Alors, ça a à voir avec les différentes forces et ça n'a rien à voir avec. Enfin, les nazis l'ont pris pour se donner, si vous voulez, une symbolique qui remonterait aux Aryens, mais c'est beaucoup plus ancien évidemment, que le nazisme, et ça n'est pas du tout négatif. Alors voilà, ça c'est l'aspect du temple à l'extérieur, ou un autre temple, je ne sais plus, parce que j'en ai vu beaucoup, mais vous allez voir, j'ai fait des gros plans des décorations qu'il y a sur la toiture, et ce qu'il faut voir, c'est que ces temples sont complètement entre les maisons, hein. C'est pas du tout comme chez nous une église avec un petit jardin autour ou un dégagement, pas du tout, hein. C'est, voilà, alors ça c'est peut-être pas le même, ou alors j'ai attendu qu'il n'y ait plus de nuages. Vous allez en voir énormément décorés comme ça. Là aussi, je ne sais pas, j'opterai pour du plastique parce qu'on est à Taïwan, mais ce n'est peut-être pas très gentil de penser que c'est du plastique, c'est peut-être du bois. En tout cas, tout à l'heure, on en verra où c'est, et selon toute évidence, de la porcelaine ou de la faïence. Ici aussi, peut-être. Mais c'est très beau. Alors évidemment, vous avez des dragons. Je ne suis pas capable de vous expliquer tout le symbolisme. Ici, vous avez des personnages, hein, mais on en reverra. Alors, ce sont des combats que les érudits ou des pratiquants même qui sont bien éduqués dans la religion sont capables d'expliquer, de même que nous, si on voit certaines, si vous voulez, quand on regarde par exemple des portails romans, on peut identifier les passages bibliques qui sont représentés, etc., etc. Donc eux font pareil, mais moi j'avoue mon ignorance totale. Alors, par contre, j'ai trouvé magnifique leur... j'ai un bon appareil qui fait un bon zoom parce que c'est quand même très en hauteur. Vous allez en voir d'autres, mais j'aime beaucoup ce dragon. C'est très, très coloré en plus, hein, comme vous voyez. Alors, voilà un autre. Alors, attendez, pardon. Celui-là, bon, je me rends compte que c'est deux fois la même photo. D'accord. Alors, ça, c'est pour vous montrer à quel point les temples sont enfermés dans les appartements. Mais vous voyez ici des grands personnages, hein, qui sont tout autour. Alors, ça, c'est le toit, pardon, excusez-moi. Donc, ça, la photo ensuite, la voilà, un autre encore, comme ça. Vous voyez, ça, ce sont des groupes de personnages. Je pense que c'est en faïence, mais je ne sais pas trop. Vous arrivez à voir, j'espère que vous avez un écran assez grand pour bien les voir. Bon, là, c'est dans la rue. Et ça vous donne une idée, si vous voulez, de la manière dont les temples sont coincés dans les rues. Là, de très belles décorations qui sont en pierre sur les murs, là. Voilà. Et celui-là, je ne sais pas si c'est le même, honnêtement, je ne sais pas si c'est le même ou si c'est un autre temple. Il y en a vraiment partout, partout. Ça, je vous l'ai mis parce que c'est un tout petit temple à côté d'un marchand de glace. Moi, j'étais émerveillée, bien entendu. Si vous étudiez les religions, vous allez à Taïwan, c'est le bonheur... tous les jours, mais ils peuvent être tout petits, hein, comme celui-là. Hein. Alors voilà, celui-là, je vous l'ai mis à côté du marchand de glace. Et alors, c'est un peu comme en Corée, ça devient vite nunuche, hein, les trucs. Là. Par exemple, ce biberon, vous avez un temple très ancien, visiblement, et puis vous avez à côté des espèces de biberons stupides. Alors, ça, je voulais montrer parce que ce n'est pas un temple, mais c'est un hôtel. Dans évidemment un style de temple,
Mon rêve, c'est d'y aller la prochaine fois. Si on réserve à l'avance, c'est pas trop cher. C'est pas très cher même du tout. Hein. Mais bon. Alors, hop, pardon, excusez-moi, on est parti trop vite. Voilà. Ici, c'est le fameux temple le plus célèbre de Taipei qui s'appelle Longshan, qui est en plein centre de Taipei, qui est très célèbre. J'y suis allée plusieurs fois. Là, c'est un jour ordinaire. Et la fois d'après, j'y suis allée, il y avait un service. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et c'était très beau parce qu'ils faisaient leur litanie, ils chantaient des sutras, mais je n'ai pas pris de photos parce que bon, le temps était, la lumière n'était pas très belle. Là, les photos sont pas mal parce que le temps était assez clair. Voilà un détail, mais vous voyez que c'est encore une fois en plein milieu des grands immeubles. Mais il est particulièrement beau celui-là. Alors, ça, c'est on a passé la première cour. Donc, ça, pardon, ça, c'est ce qui donne dans la rue. On rentre et derrière, on a encore un autre portail. On pénètre par là et il y a encore toute une série de bâtiments. Voilà, ça, c'est les gens qui rentrent. Voilà, et là, j'ai fait des gros plans du toit. Je pense que c'est une espèce de ciment, de faïence. Enfin, c'est pas du plastique, hein. Alors, j'avoue que j'aimerais bien savoir exactement ce que ça représente, mais bon, ce sont soit des ancêtres mythiques, soit des divinités, soit les deux, probablement les deux. Hein. Eileen, do you have any idea who those characters represent? I guess, Eileen, you don't know. No, yeah. Et c'est tout à fait impressionnant. Sorry. Yeah, non. En voilà d'autres. Il y en a partout. Et c'est assez vieux, hein. Ça, ce sont pas des temples très récents. Alors, évidemment, le climat abîme beaucoup les choses parce que c'est très humide et très chaud. Mais celui-là, qui est quand même le grand temple du centre de Taipei, n'est pas particulièrement bien restauré, ou peut-être que c'est pour montrer qu'il est très vieux, hein, je ne sais pas trop. Il y en a encore d'autres que je vais vous montrer qui sont en meilleur état, mais finalement, je pense que c'est peut-être aussi ça, une espèce de marque d'ancienneté, mais qui est plutôt agréable. Alors, ça, c'est encore, on continue, il y a plusieurs bâtiments, on s'avance sans arrêt, et vous voyez tout le temps les nuages hein, d'encens. Voilà, ça, c'est un autre hall. Alors, encore un autre petit, avec des offrandes magnifiques. Ce n'est pas 3 francs 6 sous à la quête du dimanche, hein. Alors, les gens donc ont acheté le. Enfin, je ne sais plus si on l'a. Moi, je ne l'avais pas acheté, mais je pense qu'on doit l'acheter l'encens. Enfin, quand je dis que je ne l'ai pas acheté, c'est parce qu'on m'en a donné. Je ne l'ai pas volé. Mais je pense qu'on doit l'acheter à l'extérieur. Et on l'allume. Et alors, vous allez voir, normalement, j'ai pris des gens qui l'inclinent. Voilà. Vous voyez ici, enfin, il y a une façon de s'incliner. Vous en prenez 3-4 devant vous et vous devez vous incliner en les agitant comme ça. Vous ne me voyez pas. Donc, vous devez vous incliner comme ça, vous êtes totalement recouverte d'encens. On va le voir un petit peu plus loin. Ça, c'est encore un autre coin du jardin avec des colonnes en pierre hein, sculptées. En voilà une autre. Alors, c'est évidemment essentiellement des dragons, des animaux de tout ordre. Voilà, c'est des touristes, mais pas forcément. Je pense que c'est des gens de Taipei, hein, parce que ça, c'était un jour sur semaine. Où c'est des gens qui visitent la ville, mais ce sont des gens qui pratiquent. Hein, ils ne sont pas là juste pour regarder. Alors, voilà une des chapelles, si je peux dire. Hein. C'est d'une ornementation absolument remarquable. Ici, c'est de la soie et donc c'est recouvert de plastique transparent pour protéger. Puis, vous voyez partout des offrandes. Alors, ensuite, voilà un coin du toit. J'avoue que j'adore cette photo. Magnifique. Il est magnifique, ce dragon. Alors, les gens
pris, là encore. Vous avez des flammes ici incroyables pour allumer votre encens. Vous voyez, le monsieur s'incline, il tient dans les deux mains 4 ou 5 bâtonnets d'encens. Là aussi, la dame, elle va s'incliner plusieurs fois. Et j'ai pris ça pour les offrandes. Ça, c'est la porte. La photo n'est pas très claire, mais la porte est jolie pour une petite chapelle. Encore des offrandes. Alors, et puis ici, vous avez ces fameux objets de divination qu'ils prennent. Ils en prennent deux, vous vous souvenez, tout à l'heure, et puis ils jettent. Et selon la manière dont ça se positionne, puisque c'est arrondi, vous voyez, donc ça ne tombe jamais complètement à plat, ils vont deviner le résultat. Et puis, vous voyez, des offrandes de mort. Enfin, moi, chaque fois que je vois ça, j'ai toujours envie, évidemment, de voler des offrandes. Hein. Mais, alors, j'ai demandé, mais qui s'en sert ensuite? Alors, c'est partagé par les gens qui travaillent dans le temple. Hein. Parce qu'on ne voit pas du personnel, on ne voit pas de personnel religieux, mais lors des cérémonies où il y a beaucoup de monde, on voit des prêtres, hein, enfin, vous en verrez tout à l'heure. Moi, j'en ai très peu vu. Hein. Les gens viennent et c'est des prières plutôt seules. Hein. Alors, ça, c'est encore un groupe sur le toit que je trouve magnifique. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Plastique, faïence? Faïence, hein? Pas sûr. Ouais, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu ironique quand on pense que c'est Taïwan, évidemment, mais c'est beau, hein, enfin c'est beau, c'est original. Alors, encore un autre plateau avec des offrandes, encore un autre espace, c'est très très grand, hein, donc il y a plein d'espace, encore un pignon. Alors évidemment, il y a toute une symbolique là, mais que je ne suis pas capable de vous lire, hein. J'aime beaucoup aussi ce coq. Voilà. Alors, c'est encore un autre espace. Voyez, on les voit bien ici, comment ils font, hein, comment ils tiennent. Ah, voilà, ça y est. Ça, c'est des dames. Alors, j'avais pris plusieurs photos d'elles à plusieurs moments, mais bon, ça faisait un peu redondant. Mais sinon, elles vont s'incliner. Enfin, elle va s'incliner, la dame, et puis, donc, elle prononce des prières, hein, bien sûr, je suppose. Les offrandes, vous voyez, ce n'est pas forcément tout le temps des mangues, ça peut être une bouteille d'eau, de Coca-Cola ou des choses comme ça. Alors, ça, c'est encore un rebord du toit de ce temple. Voilà, et là, j'arrête ce temple-là. Enfin, j'en avais d'autres, mais j'ai fait une sélection. Mais c'est vraiment magnifique, hein, quand vous regardez tout ça. Alors ensuite, ça c'est l'extérieur, quand je regagnais l'université. Ça c'est je pense que c'est un temple ou alors une maison de personnes très très riches, mais j'opterai pour un temple. Hein. Alors, caché dans la forêt, dans les bois, ça ce sont des petits temples, des petits hôtels qu'on retrouve parfois dans les cimetières, là je ne sais pas trop. C'est pris du métro, hein. Il y a un métro très très bien et... Voilà, ça c'est encore depuis le métro. Vous avez des maisons et puis vous avez un temple. Alors bon, on peut se repérer à Taïwan parce que tout est écrit quand même. Enfin, beaucoup de choses sont écrites en anglais, notamment le nom des rues. Hein, donc on arrive à se repérer. Alors là, après, je vous ai pris une photo pour faire pour que ça soit pas que des temples. C'est la nuit. C'est les marchés de nuit, voilà. Comme je suis périgourdine, j'étais très contente de voir qu'ils faisaient aussi des cœurs de canard et des foies de canard confit. Mais eux, c'est laqué. Mais bon, les pâtes aussi de canard et tout ça. Donc, c'est un peuple très frère. Alors, ensuite, ça, c'est pris de ma chambre. C'est avec un zoom assez puissant parce que la rivière est très, très large. Hein. C'est la rivière de Taipei. On est à l'estuaire au bord de la mer. J'ai pris cette photo, enfin, je vous montre cette photo parce que j'étais très... Voilà en fait à quoi ça ressemble. Voilà, sans zoom, ça donne à peu près ça. Et là, avec le zoom, ça donne ça. Alors, ça, c'est un temple tout neuf. Enfin, tout neuf. Il a une quinzaine d'années, qui n'est pas très, très, très beau, mais qui est impressionnant. Mais ce qui m'avait intrigué, c'est que le voilà ici, sur la droite, ici, c'est qu'en face, comme ça, je voyais des petits villages. J'avais l'impression que c'était des villages avec des toutes petites maisons. Là, on arrive un petit peu à les voir. Vous voyez des petites maisons comme ça, là. Et je m'étais dit, bon, c'est un petit village de paysans, d'agriculteurs, voilà. Et puis, la nuit, il n'y avait strictement aucun éclairage. Alors, j'étais très intriguée parce que
ils ont l'électricité, tout est éclairé, suréclairé, etc. Et ça m'avait vraiment intriguée de voir toute cette zone avec des villages non éclairés. Donc, je m'étais fait mon petit roman en me disant, ils sont très pauvres, ce sont les pauvres, ils n'ont pas d'argent pour éclairer, etc. Et puis, je me suis rendu compte au bout de 8 jours, quand on m'a emmené voir les cimetières, en fait, ce sont des cimetières. Et toutes les collines autour de la région de Taipei sont couvertes de cimetières. Donc là, vous voyez, de loin, moi, je m'étais dit, c'est des petits villages, mais en fait, ce sont des cimetières. Et il y en a plein, plein, plein. Là, ça en est aussi, etc. Voilà, donc on en verra tout à l'heure. Alors après, sur Internet, je vous cherche un petit film, mais j'ai trouvé des trucs assez marrants de Sodatet, vous savez, des sites de tourisme. J'ai trouvé ça. Alors, c'est un petit film, j'ai fait des captures d'un film, vous pouvez les trouver vous-même aussi, hein. Mais vous voyez, je ne sais plus où c'est à Taipei, je pense, hein. Mais vous voyez, espèce de monstre là, donc le tigre toujours, et puis le dragon, et puis vous avez des tours, je ne sais pas où c'est, j'aimerais bien aller le voir. Voilà, ça je ne sais pas, voilà, mais ça me dit que c'est Fo Guan Shan, mais Fo Guan Shan, c'est le temple que je vous montrerai tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout là, hein. Donc je ne sais pas où c'est exactement. Enfin, ça vous donne une idée de la coloration de tous ces temples. Je ne sais pas où c'est exactement. Alors, j'arrête de partager là. Et maintenant, on va aller... Je vais vous montrer... Je continue, hein, j'en ai d'autres. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Alors, encore toute une série. Je partage... And Eileen, you were there. I didn't put the photo of yourself. But you were there. This is when we visited the Tsushi Foundation. Alors, ici, c'est des photos, enfin, c'est une photo prise du bus. Encore une fois, pour vous donner une idée de ce pays que moi, je trouve absolument remarquable, vous êtes dans une région résidentielle et puis vous avez un tout petit temple au bord de la route qui est magnifique, hein, là. Après, vous continuez avec votre bus, vous avez ça, c'est au croisement des routes, vous avez ça, vous voyez l'espèce de personnage, alors évidemment un Chinois me dirait qui c'est, moi je ne sais pas, puis je ne sais pas lire, mais vous avez ça au carrefour. Alors, ensuite, Eileen va se souvenir, qu'est-ce que c'est? C'est, on nous a fait visiter un grand centre bouddhiste, qui n'est pas dans la décoration démesurée, mais qui est dans l'action sociale, ce qu'on appelle le bouddhisme engagé. Et c'est une fondation qui s'appelle Tsushi, qu'une nonne a fondée, vous allez la voir en grand partout, et l'histoire veut qu'elle ait rencontré des religieuses catholiques, il y en a beaucoup à Taïwan, enfin il y en a beaucoup, il y en avait à Taïwan, puis il y en a encore, qui lui auraient dit: mais écoute, c'est bien beau, vous, votre histoire de bouddhisme, mais qu'est-ce que vous faites pour les gens? Parce que vous parlez de... Vous voyez, hein, une espèce de dépôt, oui, c'est bon? Oui? Bon, d'accord. C'est bien beau, vous parlez de compassion et tout ça, mais qu'est-ce que vous faites? Comment mettez-vous en pratique votre compassion? Vous devriez aider les gens. Et alors, l'autre légende qu'on m'a racontée, alors c'est assez amusant parce qu'on me l'a racontée à Seattle aux États-Unis, où je suis allée voir le même groupe, mais à Seattle il y a 2 ans, et on m'a dit, mais c'est parce qu'elle est devenue comme ça, c'est-à-dire impliquée dans la vie sociale, parce qu'un jour, elle était, je ne sais plus, elle allait à l'hôpital voir quelqu'un, donc la religieuse, et là, elle a vu une femme en larmes, effondrée par terre, qui saignait, qui en fait était prête à accoucher, mais il y avait un problème, et l'hôpital a refusé de la prendre parce qu'elle n'avait pas d'assurance et qu'elle n'était pas inscrite dans cet hôpital. Et donc, cette vision de cette dame qui souffrait, dont personne ne pouvait s'occuper, l'a complètement tétanisée, et à partir de là, elle a ouvert des hôpitaux, des centres d'aide aux pauvres, etc. Donc, et là, on a commencé la visite par nous montrer là où il recycle, donc une espèce d'Emmaüs bouddhiste, voilà. Et j'avais une photo de Eileen, mais je l'ai enlevée. Voilà. Alors ensuite, ce bâtiment, vous voyez un petit peu, cette fondation, elle a d'un côté des entrepôts de recyclage, mais le recyclage ne sert pas qu'à aider les pauvres, ça sert aussi à élever un bâtiment absolument gigantesque,
D'ailleurs, il y a pas mal de critiques où on a dit, mais elle prétend aider les pauvres, mais enfin, elle utilise beaucoup de cet argent-là pour construire une espèce de palais, plus ou moins à sa gloire. Donc ça, c'est le bâtiment donc qu'elle a fait ériger. C'est une chaîne, il y a une chaîne de télévision dedans, il y a des salles, c'est à l'américaine, hein. Mais il est évident que tout l'argent récupéré ici avec tous les petits morceaux qui sont récupérés et revendus ne servent pas à ouvrir des hôpitaux. Alors, quand on rentre dans ce grand bâtiment, on a partout des portraits de cette religieuse. Ce sera pareil à Fo Wan Chan, où sans arrêt, on voit la sœur en train de s'activer, de prier. On la voit lire les journaux, donc se tenir au fait de l'actualité. Ça, c'est leur logo. Alors, c'est la fleur de lotus, hein, du bouddhisme, de la réalisation de soi, etc. Ça, c'est un petit personnage. Puis après, je ne sais plus trop vous expliquer le sens. Hein. Enfin, voilà ça. Ça, c'est à l'ouest de Taipei. Hein. Voilà, ça, c'est le plafond. C'est très, très beau. Hein. Ça, c'est le hall, un des halls avec la télé. Je crois qu'on a mangé là. Et puis, vous avez partout des grandes affiches. Ça, c'est Bouddha qui contemple la planète. Et donc, c'est l'idée que Bouddha bénit l'univers, la planète, et que le mouvement que l'on est en train de visiter est un mouvement international. Et effectivement, ils sont dans beaucoup de pays, et notamment partout où il y a des Chinois. Et à Seattle, qui est la ville, comme vous savez, de Microsoft, entre autres, il y a énormément de Chinois de Taïwan. Et donc, il y a aussi plusieurs fondations de sushi là-bas. Voilà encore. Alors, c'est toujours impressionnant de voir ça, parce qu'on n'est pas censé révérer les individus, mais elle est vraiment partout. Voilà un hall. Alors, on part de là. Ça, c'est pour vous donner une idée. Là aussi, c'est l'ouest de Taipei. Ça vous donne une idée des habitations. Là, vous avez bien évidemment un temple. Et je pense qu'il doit y avoir ce sont des cimetières. Hein. Voilà, tout ce qui est tout petit, là, je pense qu'il doit. Là, c'est des maisons. Mais s'il y a un temple, il doit y avoir des cimetières aussi par là, puisque ceux que j'ai visités, moi, sont dans les collines comme ça. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée. Voilà le fameux hôtel. Là, vous connaissez tout ça. C'est la plus grande tour de Taïwan. C'est Taipei 101. Qui a pendant quelque temps été le plus haut bâtiment du monde, mais après dans le golfe Persique on a dépassé ça. Ça c'est juste pour vous montrer le type de bâtiment. Et puis voilà, toujours en bus, voilà ce qu'on voit sur les bords de la route. Alors vous avez sans arrêt des statues, ça c'est le petit Bouddha qui est très content, hein. Vous avancez un petit peu plus loin, voilà un autre. Alors c'est pas droit parce que je suis en bus. Vous avancez un petit peu plus, vous avez ça. Un petit peu plus loin, vous allez avoir ça. Je pense que c'est la déesse Guan Yin. La photo n'est pas très bonne, mais c'est pour vous donner une idée de tout ce que vous voyez tout le temps à Taïwan. Vous n'avez jamais un seul espace sur plusieurs kilomètres qui serait dépourvu d'églises ou de statues gigantesques. Voilà, un tout petit peu plus loin, vous avez celle-là. Alors, j'ai pas réussi à voir trop le devant, mais c'est un... Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu ces espèces de petits rideaux sur des têtes. C'est en pleine ville, hein, c'est au bord de l'autoroute. Alors, évidemment, un Taïwanais sait qui c'est. Hein. Encore un temple qu'on voit sur le bord de la route. Et puis là, on allait au sud de l'île, à Tainan, qui est censé avoir la plus grande densité de temples. On en a vu quelques-uns. Et là, on nous reçoit. Nous étions les invités de marque et on nous a, ça c'est le monsieur qui avait organisé le congrès, et on va nous organiser des danses, des visites, etc. Donc c'est toujours très sympathique. Vous voyez, ce sont les fanions, hein, des divinités. On en a vu la dernière fois aussi. Alors les dames avaient mis des masques et leurs habits traditionnels pour nous montrer. C'est un côté très très ancien, et ils portent les masques régulièrement, hein. Voilà, ce sont des masques très beaux. J'avais I had a photos of you, Eileen, with the masks, but I didn't select all the photos. Mais vous voyez, c'est très beau, ça fait très archaïque, hein, pour nous.
Ça, ce sont les drapeaux, enfin, les espèces de petites choses qui tiennent, les éventails, les masques. Et là, on va rentrer dans le temple et ce sont les divinités avec ben, toujours les offrandes. Et là, les divinités, sont, il y en a plusieurs qui sont toutes noires. Hein. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je, voilà, ça, je vous ai mis ça parce que ça, c'était chaque fois qu'on allait quelque part, on était accueillis comme ça. Hein. Bon. Ça, c'est un petit lion qui est décoré pour nous. Et puis, on nous a fait des danses. Alors, je vous montre. Ce sont des gens très âgés hein, qui ont dansé pendant longtemps hein, pour nous. Voilà, ils faisaient la mer. Ça, c'est censé représenter les vagues. Les voilà encore. Vous voyez, c'est quand même c'est des gens qui ont bien 70 ans ou quelque chose comme ça. Hein. Et là, alors, on nous a expliqué, c'est pour rappeler l'histoire de Taïwan où tout le monde est arrivé en bateau. Donc, ce sont des bateaux qui rappellent bah, le peuplement de Taïwan. Et là, ça, c'est dans le temple. Alors là, j'ai plusieurs photos à vous montrer. Je ne peux pas vous expliquer mieux. Mais vous regardez tout le temps la richesse sur les côtés, partout. Il n'y a pas un centimètre carré qui ne soit pas décoré. Alors ça, ça n'est un. Il est tout noir avec une grande barbe. Ça, ça n'est un, mais ce n'est pas le même. Parce que si vous voyez... Ou alors c'est le même, je ne sais plus avec un... Non, ce n'est pas le même parce que derrière, ce n'est pas le même, c'est pas la même chose derrière. Ça n'est encore un. Alors, dehors, ça c'est le four. C'est un four dans lequel ils doivent brûler l'argent. Hein. On avait vu ça la semaine dernière. Et, mais vous voyez, la décoration de chaque bâtiment est extraordinaire. Voilà, ça c'est un gros plan. Là, c'est pareil, bois, plastique, je ne sais pas. Bois, je pense. C'est-à-dire que si c'est du bois, ça doit se détériorer assez rapidement. Alors, c'est peut-être du plastique, je ne sais pas. Voilà ce temple. Alors là, tous les gens que vous voyez, hein, c'est nous. Ça, c'est Gordon. Eileen? No, that's you, Eileen. Can you see yourself, Eileen? Je ne sais plus si elle est toujours là, Eileen, mais c'est elle avec sa canne. Elle dit que non, qu'elle ne se voit pas. Si, avec la canne, c'est pas elle? Oh non, c'est un homme, ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un homme. Now, sorry, Eileen, yes, it's a man. OK. Alors, voilà les décorations. I think it's Margaret. Was it? OK. Here? OK. Well, anyway. Sorry. Ok, là, c'est des... Regardez les détails, c'est incroyable. Hein? Alors, c'est à la fois toujours les mêmes motifs, mais représentés différemment. Et je suis désolée de ne pas être capable de comprendre tout ça. Moi, j'aime beaucoup, là, le tigre. Mmh. Ils ne font pas peur, quand même. Hein? Mmh. Alors, ça, c'est à l'intérieur, toujours les tours de lumière, de questions. Encore une divinité. Moi, j'étais aux anges hein, de voir tout ça. Et on sort, et juste en face du temple, il y a un petit jardin. Donc, j'ai pris, parce que pour pas que vous croyez qu'il y a quand même que des temples, il y avait des gens qui cultivaient. Ben là, il y avait des espèces de citrouilles et tout ça. Mais au fond du jardin, vous avez encore des temples. Mais ce n'est pas celui qu'on vient de voir. Mais vous voyez, il y en a encore un autre là. Alors, et sur la route... Et en voilà encore un autre. Voilà, ça s'est pris du bus. Alors, j'arrête de partager ça. C'est bon, là, vous n'êtes pas fatigué? Ça va? Alors, maintenant, encore un temple. Alors, quand on... Là, c'est des temples taoïstes parce que je n'ai pas vu de Bouddha hein, dedans. Donc, ils sont complètement taoïstes, c'est-à-dire avec des divinités. Et le taoïsme, bon, vous le savez, hein, c'est... un travail sur tout l'équilibre, c'est dans le taoïsme, vous avez le yin, le yang, les équilibres, les harmonies, etc. Mais énormément d'esprit, de divinité. Alors ça, c'est un temple extraordinaire aussi, enfin oui, moi je les trouve tous extraordinaires, c'est à l'ouest de Taipei, et c'est le temple de Guandu, qui est à l'intérieur de la montagne, c'est-à-dire que vous voyez ici, c'est la montagne, ça a été cimenté, et la porte du temple est évidemment à l'extérieur, mais on rentre et voilà, on rentre et le reste du temple est de l'autre côté, et dans la colline et de l'autre côté de la colline. C'est extraordinaire aussi.
Alors voilà les plafonds. Et si vous regardez bien, si vous avez un assez grand écran, ce sont des personnages ici. Hein. Alors ça, c'est un temple aussi taoïste, avec des lumières, etc. et tout un tas de choses. Et ici, j'ai enfin pu voir un prêtre. Donc c'est un prêtre qui conduit les prières de ce couple qui doit être en train de demander quelque chose et qui a donc dû faire des offrandes spécifiques, et le prêtre conduit la prière. Mais sinon, on voit très peu de clergé, si vous voulez, au sens où on l'entend nous. Alors ça, c'est un monsieur, vous voyez que ça, c'est pas clair parce qu'il agite l'encens. Voilà, c'est encore une autre partie. J'ai pris des photos aussi, ça c'est des offrandes, et ces offrandes, ça va être des lettres où on demande des intercessions des divinités, et visiblement on met des photocopies de la carte d'identité. Alors c'est pareil, j'aimerais qu'on m'explique, mais je pense que c'est ça. Un petit peu comme le cahier dans certaines églises, hein, ou dans les lieux de pèlerinage où vous mettez vos demandes. Alors ça, c'est encore une fois les offrandes d'une divinité que je ne sais pas identifier, qui est là. Je ne sais pas quel est ce dieu. Alors, toujours les très beaux papiers d'offrandes. Et voilà, quelqu'un offrait des tortues. Alors, on m'a expliqué que soit on allait, le prêtre ou le personnel du temple allait récupérer les tortues puis les manger, puisqu'on fait de la soupe de tortue, etc., etc. Soit on allait les relâcher, parce que ça fait aussi partie des rituels de relâcher les animaux qu'on achète. J'ai un étudiant qui m'avait envoyé plein de photos en Chine, puisqu'il habitait en Chine, il y habite toujours d'ailleurs, où il y a une cérémonie où on achète des poissons qui sont en captivité dans des espèces d'aquariums, et tel et tel jour, on va les remettre en liberté, on les remet dans l'eau. Mais là, je ne sais pas, et j'avoue que personne ne pouvait m'expliquer ce qu'allaient devenir ces pauvres tortues. Mais en tout cas, c'est au pied de l'hôtel, hein, ça c'est l'hôtel. Et là, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être un truc comme des tic-tac qu'on offre, je ne sais pas. Alors ça, c'est un lion, hein, en début, devant l'hôtel. Encore un hôtel. Alors là, c'est taoïste, mais ça, c'est un bouddha. Donc, c'est un temple assez typique où sont mélangés, où sont présents aussi bien les figures du bouddhisme que toutes les figures du taoïsme. C'est un petit hôtel en papier. Je serais bien partie avec, mais je n'ai pas osé. Et voilà les toitures. Alors, on ressort de la colline et on tombe sur un autre pan où là, vous voyez des cavaliers. Enfin, c'est aussi extraordinaire, hein, celui-là. Voilà, vous les voyez mieux là. J'ai fait un gros plan. C'est la toiture. Hein. Voilà, ça, c'est le temple d'en dessous. Vous voyez, toujours avec ces décorations. Ça, c'est de la pierre. Hein. Voilà, j'aime bien celle-là parce que j'étais à une certaine hauteur au-dessus d'un portail et au loin, vous avez Taipei. Vous voyez avec là le grand bâtiment Taipei One et au milieu des champs. C'est un temple très célèbre. Voilà un banyan, l'arbre avec ses racines extraordinaires. Alors, c'est toujours les batailles de leur panthéon. Hein, moi, j'aime bien les petits ours, mais bon. Là, ça fait plus un peu plus tocard, on dirait. Hein. C'est beaucoup moins noble que par là. C'est un côté vraiment très plastique là. Un autre petit hôtel. Encore. Alors, c'est vraiment dans les rochers. Hein, là, ils ont pas. Enfin, je pense pas qu'ils aient été rajoutés pour faire joli. On est en hauteur. Hein. Encore, ça, c'est des grues ou des, je sais pas, des cygnes ou des cigognes, non? Je ne sais pas. Bien sûr. Des grues, hein? Hein? Des grues, je dirais. Des grues, hein, oui. Voilà encore un petit hôtel. C'est toujours dans l'enclos de ce temple extraordinaire. Voilà, il y a un autre côté de la. Ah, voilà, ça, c'est l'entrée depuis la rue. Ça, c'est la grande rivière qui mène à la mer à gauche, à Taipei
le centre à droite, et où les murs sont. Et puis voilà, ça c'est ce qu'on voyait au début, qui est cimenté. Mais c'est moi qui ai pris la photo. Alors je devais être, je ne sais plus, dans une espèce de tour. On n'en finit pas. Hein. Ça, ce sont les tablettes avec les noms des morts. Hein. Vous vous souvenez, on en a vu la semaine dernière. Ça, c'est toujours dans le temple. Donc, voilà. Et puis, ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, mais qui permettait de voir une foule dans ce temple. C'est le même temple. Hein. Voilà. Alors, c'est bon, vous tenez toujours bon. Alors, maintenant... Je vais vous montrer, et ça sera le dernier temple taoïste. Ça, c'est « This is the one Eileen Gordon asked me to photograph from top to bottom. » Alors, on a demandé à une amie de nous y amener. Sorry, Bernadette, I have to leave now. Okay. Well, anyway, I will send you the recording so that you can see more photos. Thanks. Yeah. Au revoir. Bye bye, Eileen. Alors, je partage. C'est un temple. Gordon Melton voulait absolument y aller, donc c'est le grand spécialiste des religions aussi. J'espère avoir un entretien avec lui. Il voulait y aller parce qu'il pensait, mais après il s'est rendu compte que ce n'était pas ça, que c'était dans ce temple que le fondateur des grandes églises protestantes chinoises avait entendu un message ou avait rencontré quelqu'un qui allait le mettre en contact avec un autre prédicateur, Watchman Nee. Alors moi, j'avoue que la première fois, il me raconte ça, je ne comprenais pas trop, mais je me suis rendu compte ensuite, et je vous montrerai les photos à la fin, quand on verra le christianisme, qui à côté est d'un fada, enfin, est très fade, hein, puisque vous avez, ce que je vous montrerai, c'est du christianisme protestant, mais complètement épuré. Donc, par rapport à évidemment ce qu'on regarde là, c'est beaucoup, enfin, c'est encore plus radicalement différent qu'entre une église baroque et une église protestante. Mais, donc, il fallait absolument qu'il voit ça. C'est lui, là, c'est Gordon Melton que vous voyez, parce qu'il écrit beaucoup, il écrit l'histoire de ces groupes protestants qui descendent, qui dérivent. Et j'avais une amie tout à l'heure chinoise à la maison, mais qui n'a pas pu rester, donc elle ne peut pas me traduire tout ce que je montre. Mais il se trouve que, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent John Darby, D-A-R-B-Y, qui était un prédicateur au 19e, qui était d'origine irlandaise, puis qui a prêché beaucoup en Angleterre, notamment à Plymouth, sur la Manche, et qui prêchait qu'il fallait exclusivement utiliser la Bible, qu'il n'y avait que la Bible, ne pas écrire, ne pas créer d'église, ne pas institutionnaliser quoi que ce soit, donc un retour aux premières communautés ecclésiales qui n'étaient pas institutionnalisées encore, et qui prêchait surtout la fin des temps, la fin des temps comme étant proche. Et donc, il prêchait une histoire de l'humanité divisée en grands âges, un petit peu comme Joachim de Flore, qu'il appelait les dispensations. J'en ai parlé quand j'ai fait l'entretien sur le millénarisme. Et ce John Darby, donc, a enseigné un protestantisme, enfin un christianisme excessivement rigoureux, qui est la Bible à la lettre, beaucoup l'Ancien Testament. Et de nos jours, ça a donné les frères de Plymouth, ou ce qu'on appelle les Darbistes. Il y en a quelques-uns vers Bordeaux, Lot-et-Garonne et tout ça, puis il y en a pas mal en Grande-Bretagne, il y en a aux États-Unis, il y en a un petit peu partout. Ce sont des gens qui sont charmants, moi j'en ai connu, on a fait des colloques sur eux, mais ils ne serrent jamais la main aux femmes. Ils ne mangent pas avec les non-membres, donc on a été invité, Angélique était là, hein. On est invité, ils vous servent à manger très 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 bien, mais ils ne mangeront pas avec vous, etc., etc. Donc c'est très rigoriste, une séparation vraiment entre eux et nous, entre les purs et les impurs, et pour une raison que je n'arrive pas à expliquer, personne n'a pu me l'expliquer, ce protestantisme-là plaît énormément à ceux qui vont devenir chrétiens, à beaucoup de Chinois qui vont devenir chrétiens par ce message-là. Ce qui fait que ce protestantisme de type très rigoriste est très, très populaire en Chine. Alors, c'est à des années-lumière, évidemment, du taoïsme, hein, et de ce que je suis en train de vous montrer là.
Mais ça a été, c'est un monsieur, donc Watchman Nee, qui a entendu ça, entendu quelqu'un prêcher apparemment vers San Francisco, ou en tout cas a raconté les messages qu'il aurait entendus vers San Francisco. Et Gordon pensait qu'une rencontre s'était effectuée entre deux Chinois à Taïwan. Enfin, ça s'est effectivement passé à Taïwan, mais il pensait que c'était dans ce temple. Donc, il fallait absolument aller voir ce temple. Mais après, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais c'est un temple enfin, fabuleux, hein, qui est le temple de l'empereur de Jade dans la ville de Taichung, T-A-I-C-H-U-N-G. Et... Donc, moi j'y suis allée. Comme il sait que j'aime bien prendre des photos, ben, j'ai pris plein de photos, d'autant plus que lui avait oublié de recharger son appareil. Bon, bref, donc j'ai plein de photos, j'en ai sélectionné que quelques-unes. Mais c'est très grand, hein, c'est-à-dire que vous passez sans arrêt d'une salle à l'autre avec des divinités où c'est très pénible puisque j'arrive pas à les identifier, mais c'est tout à fait surprenant. Voilà, alors voilà, donc c'est le temple de Taichung de l'empereur de Jade. Donc ça, ce sont des murailles, enfin pardon, des piliers, hein, excusez-moi, ce n'est pas des murailles. Et vous allez voir divers... Alors l'empereur de Jade, vous le verrez tout à l'heure, il tient du jade, hein, donc c'est à la fin qu'on le voit. Bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu avant. Hein. Alors là, celui-là, il ressemble beaucoup à notre ami Guy Guzzi, qu'on a vu avec Weixin Chenzhou. Je pense que c'est lui. C'est une des variantes, puisqu'il tient le fameux fouet de l'énergie et ses genoux tiennent ce qui est, le, vous savez, le compas du Feng Shui. Je pense que c'est un Guy Guzzi, mais on n'est pas dans l'église de Weixin qu'on a déjà vue la fois dernière. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée des fameuses lanternes chinoises, c'est au plafond. Ça, c'est une des décorations, c'est de la pierre sculptée. Hein. Voilà, et là, bon, la photo est trouble, excusez-moi, mais on voit bien les petits objets de divination, ces espèces de gros haricots qui vont tomber soit sur la partie ronde, soit peut-être sur la partie plate, soit sur le côté. Enfin, il y a toute une explication donnée. Là, c'est une statue assez jolie. Alors, j'étais une fois dans un temple Hare Krishna, où c'est le même style. Hein, alors, ce sont des têtes indianisées, puisque Hare Krishna, c'est issu de l'hindouisme. Mais j'étais avec une amie qui me dit, oh là là, mais c'est pas possible de croire dans des choses pareilles. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est catholique. Et si vous êtes catholique, évidemment, depuis Vatican II, on a... expurger les églises, on les a un petit peu protestantisées, on a enlevé beaucoup de statues, mais bon, on peut imaginer que c'est comme des saints, c'est-à-dire ou comme des églises avant qui étaient très riches avec plein de statues. Hein. Donc c'était amusant, ben oui, ils croient à ça, mais bon, dans toutes les religions, il y a des choses évidemment que les gens qui sont extérieurs ne peuvent pas trop comprendre. Alors ça, c'en est un qui est très très beau. Alors, je ne sais pas, alors, c'est peut-être des dieux de la mer, du tonnerre et tout ça, j'avoue que je ne sais pas. Ça, ils sont au pied d'une autre statue. Ils sont beaux, hein, c'est beau. Ça fait, ils ont toujours des têtes qui font peur, mais ils ont des habits vraiment magnifiques. Encore un autre. Alors, vous imaginez ma joie, c'était un soir. Il y a longtemps hein, quand on a fait ça. C'était pas la première fois que j'y allais, c'était une deuxième fois, je crois. J'étais émerveillée. Regardez ces habits. Alors, les visages ne sont pas forcément refaits, mais les habits doivent être très entretenus et très refaits régulièrement, hein, parce qu'ils sont en très bon état. Alors, il y a des explications, vous voyez, un numéro 15, il y a des explications, mais bon, c'est en chinois, hein, tout. Donc, là, ce n'est pas un endroit, c'est le centre de Taïwan, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc je ne sais pas qui sont les personnages. En tout cas, ils sont là pour faire peur, hein. Les colonnes. Ça, c'est le gong. On en a déjà vu la dernière fois. C'est en bois, il tape dessus pour scander les litanies. C'est des murailles. Voilà, on arrive enfin. Alors, il faut le chercher, hein. Mais ça, c'est l'empereur de Jade, puisque vous le voyez ici, il tient un objet qui est du Jade. Voilà.
Et l'empereur de Jade fait partie des grands empereurs mythiques, ce sont des divinités. Hein. Il y a l'empereur jaune, l'empereur de Jade, l'empereur Shiyu, l'empereur Yan, ou je ne sais plus trop. Enfin, ça fait partie des très grandes divinités du taoïsme. Alors, c'est déjà plus l'empereur de Jade. Et voilà, ça c'est encore un autre côté de... Voilà, toujours l'empereur de Jade avec toutes ses divinités. Un autre personnage. Alors, je pense qu'il tient aussi du Jade, mais c'est un autre ou une autre représentation, je ne sais pas. Voilà les murs. Une caisse qui est très belle. Le plafond. Des fenêtres, les lumignons, encore une fois. Voilà. Voilà, ça c'est la petite amie qui nous montrait. Elle nous montre le papier pour réciter les prières et qui ensuite, je pense, risque d'être brûlé, mais je ne suis pas sûre. Ça, ce sont des petits bâtonnets pour la divination en I Ching. Vous prenez un petit bâton, sur le bâton on ne le voit pas très bien, moi j'en ai, on m'en a donné, hein, mais là vous avez quelque chose qui est écrit, plus la date de naissance, plus le lieu de naissance, l'heure de naissance, plus encore d'autres choses qu'on va vous faire manipuler et on va vous lire l'avenir. Voilà, il tient les petites choses qu'on va jeter par terre. Ça, c'est encore une entrée d'hôtel. Ça, c'est là où on va brûler le papier. Et ça, c'est la porte sur la rue. Voilà. Et puis, vous avez, tiens, Gordon Melton qui est là. Oui. Donc, voilà, j'arrête pour ce temple-là. Ça va, vous tenez toujours bon? OK. Oui, bon. Alors, et maintenant, on va... Alors là, on quitte maintenant les temples taoïstes. On va dans les espaces bouddhistes qui sont un peu moins richement décorés et qui ont beaucoup plus de bouddhas. Ce que je vais vous montrer là maintenant, il n'y a quasiment que des bouddhas. Mais alors, c'est très amusant parce que en reprenant toutes les photos, je me suis rendu compte hier, puis je cherchais des explications sur les groupes religieux. Et il y avait un temple absolument magnifique, mais tiens, je vais vous le présenter tout de suite. Je pensais que c'était une tour de cimetière. Vous allez comprendre pourquoi quand vous verrez les cimetières. Mais en faisant mes petites recherches, j'ai vu que c'était un temple très célèbre du Yiguando. Et le Yiguando, c'est une très grande religion très populaire à Taïwan qui vient de Chine, qui est une émanation du taoïsme, bouddhisme et également du spiritisme. Mais je ne peux pas vous en dire plus, mais vous trouverez des choses sur Internet. Donc ça c'est pris de la route aussi. Je me suis demandé si c'était taoïste ou yiguando, parce que là, c'est assez caractéristique. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais bon, voilà. J'ai fait cette très belle photo, mais j'en avais plein, j'ai trié. Hein. Et en feuilletant des pages, honnêtement, sur Internet, hein, sur les religions à Taïwan, je vois la même photo que celle-là. Ça, c'est moi qui l'ai prise, hein, mais je vois exactement la même photo où c'était marqué « Temple ben, ». Je ne sais pas si vous le voyez au-dessus, vous voyez « Tianyugong », vous le voyez écrit au-dessus. C'est petit, oui. Voilà, mais c'est Yiguando, à Damshui, c'est la ville où on avait le congrès. Et donc, ça n'est pas du tout une tour de cimetière, on en verra tout à l'heure, mais c'est le temple de cette religion qui est donc, apparemment, il y a eu plusieurs millions de membres à Taïwan, qui est très célèbre. Et d'ailleurs, Angélique, si tu te souviens, il y avait Sébastien Biou, ce chercheur de l'EPHE, qui est spécialiste du Yiguando. Donc, si vous voulez des choses sur le Yiguando, ça s'écrit Y-I-G-U-A-N-D-O. Il y a beaucoup de choses en français. Vous allez sur le site Google Scholar, S-C-H-O-L-A-R, et vous avez pas mal de choses en français sur ce groupe. Mais bon, moi, je me souviens, on m'avait emmené là.
on m'a pas, enfin, peut-être qu'on m'a dit que c'était un temple Yiguandō, mais ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et je ne savais pas ce que c'était. En tout cas, j'allais vous le mettre comme tour de cimetière, et ce n'est pas du tout ça. Voilà, il y a un immense escalier magnifique, et voilà dedans. Alors, voilà, moi, ben, je vous dirais que c'est un mélange, hein, et encore une fois, taoïsme, bouddhisme. C'est un peu moins décoré que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Mais bon, vous avez la cloche que vous retrouvez dans tous leurs temples là-bas. Voilà les divinités. À mon avis, là, elles sont en plastique. Mais bon, mais là, vous retrouvez bien les divinités. Là, c'est apparemment l'empereur de Jade, vous voyez, parce qu'il tient toujours son espèce de marqueur. Voilà, là, vous avez la fleur de lotus du bouddhisme. C'est très compliqué, je suis incapable d'expliquer. En tout cas, ça, c'est un grand vase qui doit servir de gong. Et puis, toujours ces offrandes extraordinaires. Voilà, encore une divinité. Et ça, c'est des figures de Bouddha. Hein. C'est des Bouddhas, ça, qui sortent de la fleur de lotus. Voilà, donc ça, c'est Yiguandō. Et ça, et le parc est très beau. Ça, c'est une photo du bord du parc. Alors, ça, c'est encore sans doute une représentation de l'empereur de Jade. Ça, c'est encore une autre salle, parce qu'on monte, hein, vous avez vu, hein, c'est par degrés, et les degrés figurent tous les niveaux d'initiation. Et à la les derniers étages ne sont ouverts qu'aux initiés, donc on ne peut pas y aller. Là, vous retrouvez des illustrations des montagnes très chinoises, hein, que vous retrouvez dans les vieilles peintures chinoises. Puis il y a toujours, alors, est-ce que celui-là, ça serait un Giguzi? J'en sais rien, mais il a toujours son fouet. Ça, c'est le jardin en dessous. Alors, il va y avoir toute une symbolique aussi du jardin. C'est magnifique. Les gens viennent se promener dans ces parcs-là. Hein. Alors, ça, c'est le plan. Et donc, ce qu'on a vu, c'est ça. Moi, on est rentré là-dedans. Donc, ça, c'est Yiguandō. Honnêtement, je ne peux vous dire que c'est Yiguandō que depuis que j'ai vu cette photo sur Internet. Donc, nous, on n'a pu visiter que ces deux étages, hein, je pense. Hein. Là, c'est réservé aux initiés. C'est magnifique. Hein. Et vous voyez, c'est toujours avec des grandes montagnes, hein, Taïwan. Voilà. Donc, là, j'arrête. Le partage d'écran a été fermé. Très bien. Et je vous montre maintenant, on va descendre tout à fait autour, au-dessous de Taïwan, enfin, pardon, au sud de Taïwan, voir les grands temples bouddhistes. Alors, attendez, excusez-moi. Attendez, j'ai un petit problème là. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je ne peux pas vous montrer ça? Ah oui, ça y est, j'ai compris. Alors, attendez. Voilà. Il faut absolument que je puisse vous montrer ça. T'arrives pas à partager? Comment? T'arrives pas à partager? Non, je suis en train de... Alors, je pense que je sais pourquoi. Ah, oui, c'est... je sais pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs documents là-dedans. Alors. Bon. Bon, et alors je vais voir si j'arrive à partager. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, donc là, alors tu connais pas, toi, Angélique, cette partie du temple, puisque tu connais que celle qui est en dessous. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu il y a plus de 10 ans, qui est gigantesque, qui est le temple donc Fo Guan Shan, bouddhiste, fondé il y a quelques décennies, hein, par un... On ne t'entend plus, Bernadette. Ah, pardon. On ne m'entend plus. Oui, non, c'est bon, là, ça va. C'est bon, ouais. Donc, c'est un très grand temple qui a été fondé il y a quelques dizaines d'années. Alors, oui, ça me dit que ma connexion Internet est instable. C'est bon, vous m'entendez, là?
Oui, c'est bon. D'accord. Et par un maître, hein, vous savez que les écoles bouddhistes sont fondées par des maîtres, et ensuite il y a des généalogies, donc ils se placent dans une généalogie d'enseignants, de disciples, etc. Et puis qui a un succès fou international, et qui est au sud de l'île. Donc avec Angélique, nous avons vu ce qui a été construit depuis une dizaine d'années, et ça c'est la partie la plus ancienne. Donc c'est un portail absolument magnifique qui est la signature de cette école de bouddhisme, hein, Fowon, blanc comme ça, etc. Donc on monte, voilà les escaliers, et là c'est bon, ça change, hein, c'est bon. Oui, c'est voilà. Vrai. Et c'est sur une colline. Et ensuite, j'avais vu le début de la construction derrière cette colline à droite. Et avec Angélique, on est allé la voir et vous aurez les photos ensuite. Et on n'a pas vu grand monde parce qu'il pleuvait à verse, donc on était quasiment toute seule. Ça vous donne une idée des dimensions, puisque voilà, là, ça, vous voyez ici, au-dessus, il y a un immense Bouddha, quand on regarde, voilà, qui fait, il doit bien faire 15 à 20 mètres. Et là, ce sont des moines. Lui, c'est un Allemand. Et là, ce sont les touristes. Donc, vous voyez, ils font des group photos. Ils adorent les group photos, les Chinois. Les Coréens aussi sont toujours en train de prendre des groupes. Et là, j'aimais bien les petits. Il explique aux petits Chinois ce que c'est. Mais il y a des moines qui viennent du monde entier. Ça, c'est un tableau qui montre ce qu'on est en train de voir. Donc, on est arrivé ici. Ensuite, vous voyez l'immense Chinois ici, et depuis 10 ans, ils ont complètement recouvert, enfin, tout ce qu'il y a là derrière est construit, et on le verra plus tard. C'est gigantesque. Hein. C'est assez typique le paysage de Taïwan avec des montagnes et beaucoup d'eau. Voilà. Et ensuite, on va voir ici, puis après, on rentre là, ça ressemble à la cité interdite de Pékin, c'est gigantesque, et là, c'est le hall des grands Bouddhas. Vous verrez aussi ce bâtiment. Enfin, c'est très, très grand, hein, très, très, très grand. Alors, ça, ce sont les arhats, donc c'est les gens qui ont atteint l'illumination, qui sont sous ce beau bâtiment. Voilà. Et alors, en voilà un, pour vous donner une idée, c'est du marbre. Hein. Voilà, ils sont en dessous du très grand Bouddha qui est au-dessus. Voilà un autre bâtiment. Voilà, on avance vers le temple des grands Bouddhas. On entre. Voilà, ça c'est une photo qui n'est pas de moi, que j'ai trouvée sur Internet, mais c'est pour vous donner une idée de la taille, puisque vous voyez les gens. Alors ça, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, ce sont les trois Bouddhas. Je ne suis pas capable de vous dire la différence. Ils sont tous dans un stade différent de réalisation. Hein. Donc, un spécialiste du bouddhisme vous dira que selon la manière dont la main est posée, main ouverte, mains repliées, les deux mains l'une sur l'autre, etc., on peut vous dire le niveau d'éveil. Mais bon, moi, je ne suis pas capable. Ici, c'est un gong, encore une fois. Ils sont très beaux, hein, là, les Bouddhas sont très, très, très beaux. En voilà encore un. Alors, vous remarquez qu'il y a beaucoup de décorations, mais nettement moins que dans les temples taoïstes. Mais ici, c'est pareil, les gens se mettent à genoux, prient. Là, c'est le toit, pardon, le plafond. Là, encore un Bouddha et puis toujours la tour de lumière. Et ça, c'est un bâtiment sur le côté qui m'a beaucoup impressionnée parce qu'à chaque fenêtre, vous avez des statues. Donc, il y a dans le bouddhisme des répétitions à l'infini des statues de Bouddha et il y a toujours des jardins absolument magnifiques. Une tour. Et puis, il y a des personnages, des fois un peu étranges. Je ne sais pas si ce sont des moines ou des choses comme ça, mais c'est un peu étrange. Alors, ça, c'est la boutique. Vous pouvez acheter toutes les statues que vous voulez. Et alors, ça, c'est le fondateur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, ça, c'est des photos. Bon, moi, j'étais fatiguée, donc je suis restée dans un petit salon. J'ai trouvé ça très joli. Voilà encore. C'est vraiment conçu comme les monastères chez nous, c'est-à-dire toujours dans des sites magnifiques avec des très beaux jardins. Là, vous voyez, vous avez ici des espèces de bornes. C'est toujours très joli avec des plantes partout. Voilà le portail de l'extérieur. Et puis, voilà le même portail. Mais là, on est à Los Angeles. Donc ça, évidemment, je connais beaucoup mieux.
mais c'est la branche américaine à Los Angeles du temple donc de Fo Guang Shan, mm-hmm. qui s'appelle Hitsilai, qui est à l'est de Los Angeles et que je connais lui depuis 30 ans, mais je ne pensais pas un jour voir l'original à Taïwan. Et c'est dans le quartier qui s'appelle, enfin la ville qui s'appelle Hacienda Heights, donc qui veut dire les hauts de l'Hacienda, et qui est une ville essentiellement taïwanaise. Et donc les Taïwanais, pour prouver aux autres Chinois de Californie et des États-Unis, eh bien, qu'ils avaient beaucoup d'argent, ils ont construit ce temple. Moi, je le connais, ça c'est depuis 80, je le connais depuis 1990. Mais c'est des photos numériques, donc j'y suis revenue depuis. Hein. Mais j'étais totalement abasourdie par ce temple, qui est cependant plus petit que celui de Taïwan. Voilà, mais vous avez, ça c'est aux États-Unis, mais c'est exactement sur le même modèle, hein, en légèrement plus petit. C'est magnifique. Hein. Donc ça c'est le parking, ça c'est les... Si on continue à l'ouest, enfin, il faut aller quand même assez, c'est quand même à 20 ou 30 km de Hollywood, hein, tout ça. Mais voilà, vous reconnaissez la forme des bâtiments. Pardon, j'ai encore pris la même photo. Voilà les toits. Les toits sont comme à Taïwan. Hein. Vous avez toujours les petits animaux, hein, là. Voilà les religieuses. Il y en avait beaucoup, essentiellement taïwanaises. C'est pas des, je sais pas s'il y a beaucoup de non-taïwanais hein, qui y viennent. Et alors j'ai surtout pris ça parce que à l'américaine, ils vous font tout un grand speech sur l'expansion du parking. Alors ça m'amuse beaucoup parce que bien on est d'abord américain, c'est-à-dire qu'on vous explique pourquoi on a grandi le parking. Voilà, donc il a été, moi ça c'est des photos que j'ai prises en 2013. Donc on vous dit qu'il a été établi il y a 25 ans auparavant. Voilà, et puis que bon ben maintenant il y a tellement de monde qu'il faut agrandir le parking. Voilà. Ça m'amuse toujours moi ce genre de décor. Voilà, expansion du volume, voilà. Parce que il y a à cause de la propagation du dharma, il faut agrandir le parking. Voilà, ça fait partie des hôtels. Toujours Los Angeles, hein, ça. C'est très grand hein, aussi. Alors ça, c'est des petits arats qui sont moins beaux qu'à Taïwan. Mais ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir ça. Ah, voilà le plan. Mais c'est la même conception que ce qu'on a vu à Taïwan. En légèrement plus petit, mais pas vraiment beaucoup plus petit. Hein. Voilà, donc ça c'est Fo Guang Shan, c'est ce qu'on a vu, ce que j'ai vu avant. Et puis je vais vous montrer maintenant ce qu'on a vu en 2018. Alors quelques photos, donc quand j'y étais allée la première fois, il n'y avait pas, le bas était en construction, mais c'était gigantesque. Et c'est construit, ça a été terminé, je pense, vers 2012 ou 13. Donc c'est un musée pour la dent de Bouddha. Et ça c'est les premiers bâtiments. Ce sont en fait des magasins, des hôtels, etc. Et il pleuvait beaucoup, donc il y avait Angélique, Massimo Introvigne et moi-même. Et puis on avait été amené là par notre ami responsable de la Scientologie qui avait voulu qu'on aille absolument voir l'église de Scientologie à Kaohsiung qui est une des plus actives au monde, donc il n'y a pas que des bouddhistes hein. Et moi j'ai insisté pour qu'on aille voir ce temple, donc il a fallu un petit peu lui tordre les bras comme on dit, mais on a fini par y aller et on a vu ça. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qui est là-haut hein. Voilà. Et en dessous il y a ça. Voilà, alors vous allez voir les éléphants, voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout à fait en haut. Et là, il y avait plus grand monde, puisque ça, c'est le tigre, pas content. Hein. Et là, dedans, c'est des boutiques. Voilà, ça, c'est la boutique. Et voilà, nous voilà, alors, c'est
Rosita, Eileen, Massimo, Angélique and myself. Voilà. Donc ça, c'est gigantesque. Ça fait des centaines de mètres. Là, vous avez une première pyramide qui est le musée. Et puis derrière, vous avez une autre énorme pyramide avec une statue de Bouddha gigantesque. Et ça, ce sont les tours d'éveil où il y a différentes activités, mais je ne suis pas rentrée. Et il commençait à faire nuit. Donc, voilà ce que ça donne. On est encore très loin, donc il faut imaginer que c'est gigantesque. Ça commence à s'éclairer. Donc, vous voyez, c'est deux pyramides, hein, une pyramide et une autre pyramide. Voilà la statue. Ça penche un peu, excusez-moi. Voilà, les lumières s'éclairent. C'est totalement surréaliste. Et il y avait personne que nous, hein, donc ça avait un côté vraiment magique. Alors, ça, c'est les petites décorations en plastique un petit peu partout. Alors, on revient dans le bâtiment. Voilà le plan. Alors, ça, c'est le plan du bal. L'autre temple, il est ici. Mais vous voyez bien ici les statues, les tours, etc. Alors, ça, c'est une... J'ai fait une capture d'écran sur une vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Donc, ça vous donne une image, une idée de la taille. Ils ont dû prendre ça depuis un drone. Vous voyez la tour du Bouddha, c'est vraiment colossal. Hein. Voilà encore, et visiblement, là, il y avait beaucoup de monde. Nous, il n'y avait personne. Voilà, ça, c'est Fo Guanshan. Alors, maintenant, et j'espère que vous tenez encore bon. Alors, je voudrais vous montrer, on va rester dans le bouddhisme, quelque chose qu'on a vu avec Angélique, qui nous a beaucoup amusé, qui est l'école du Bouddha. Voilà, alors on ne sait pas si c'est la véritable école du Bouddha ou l'école du véritable Bouddha. En anglais, c'est True Buddha School. Mais en fait, personne n'a été capable de me dire si c'était True Buddha ou True School. Voilà, c'est au-dessus de Nantou, donc au-dessus du groupe qu'on a vu la dernière fois, Wei Xing Zhenzhao, qui nous a promenés, qui nous a emmenés là. Donc, c'est un énorme bâtiment là aussi et qui a été fondé par un personnage qui est assez auto-centré puisqu'il s'est divinisé lui-même. Vous le verrez, il a fait tout un tas de statues de Bouddha sous ses propres traits. Et Gordon Melton nous a raconté que la première fois qu'il l'avait rencontré aux États-Unis, puisqu'en fait la base est aux États-Unis de ce groupe, il lui avait demandé de quelle généalogie il relevait. Donc, il lui avait dit une généalogie. Et puis, il l'a rencontré après, je ne sais plus trop où, ben peut-être à Taïwan une autre fois, et il lui a demandé quelle était sa généalogie pour voir. Et il n'était plus la même. Donc, Gordon lui a fait remarquer que, quelque temps auparavant, il lui avait dit, mais ce n'était pas la même généalogie. Donc, ce qui voulait dire, vous êtes un usurpateur. Et donc, le gars lui avait dit, you go away. Vous partez, on ne veut plus vous voir. Voilà. Donc, on pense que c'est un petit usurpateur, mais bon, qui a su mener sa barque, puisque le voilà, puisque, voilà, il ne faut surtout pas croire que le bouddhisme soit contre l'adulation de l'individualité du maître, hein, parce qu'il est vraiment partout représenté. Alors, j'aime bien montrer tout le temps le plan. Voilà, ça, c'est les collines de Taïwan au centre et on arrive. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Hein. Le voilà, lui aussi. Bernadette, alors, on ne voit pas de photo de Bernadette. Là. Ah, tu ne vois pas? Non. Je ne vous ai pas... Il y a aucune? Vous n'en avez vu aucune? Ben non, je pensais que tu faisais comme un espèce de plan avant de... Ah non, d'accord. Mais non, excusez-moi, je n'ai pas fait partager. Voilà. C'est bon, là, vous voyez? C'est bon, là. Alors, je recommence. Donc, voilà, quand on arrive, voilà ce qu'on voit d'abord. Ensuite, voilà un des murs avec donc le fondateur qui est très content de vous accueillir. Le plan donc du village. Et puis, les moines. Alors, eux, ils sont habillés en rouge. Et là, le monsieur que vous voyez, c'est un Vietnamien de Cao Dai. On essaiera d'en parler une autre fois. Alors, c'est une série de bâtiments gigantesques. Hein. C'est impressionnant. Ça, c'est le parking. Vous voyez, tout est prévu. Ça, c'est les divinités qui gardent le parking. Encore un autre morceau, encore un autre bâtiment. Et le voilà. Were you there, Eileen? Did you come? Yeah, OK. Et voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est Bouddha, mais sous les traits du fondateur, qui
Il a une très bonne tête. Alors, toujours les fameuses tours de lumière. La grande salle en visite. Hein, là, donc, tous les gens que vous voyez, c'est notre groupe. Hein. Et les hôtels. Alors là, vous replongez complètement, bien qu'on soit dans la véritable école du bouddhisme ou l'école du véritable Bouddha, on retombe dans les divinités taoïstes. Pour eux, c'est normal. Hein. Nous, ça nous surprend toujours. On ne les a pas vus, en revanche, à Foguanshan, le temple que je viens de vous montrer avant. Il n'y a pas d'autres divinités que des Bouddhas. Moi, j'aime beaucoup ici cette espèce de chèvre. Mais c'est tout à fait impressionnant. Voilà, la petite chèvre. Ça peut être une divinité spécifique. Voilà. Là, j'avoue que les divinités, ça fait un peu kitsch. Hein. Enfin, plus qu'ailleurs. Là, ce sont des mandalas qu'il y a partout, qui sont très beaux. Mais voilà. Ça, c'est le bas du bâtiment. C'est évidemment toujours... Voilà toujours le fondateur en pleine forme. Et là, ce sont ses disciples, hein, mais qui c'est leur véritable visage. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un maître aussi, je ne sais plus lequel. Mais ça, c'est le fondateur. Vous voyez, qui est une très bonne tête, souriante. Voilà. Et là, ensuite, on va monter. Bon, alors attendez, parce que... c'est les hôtels, le voilà encore. Alors ensuite, ça c'est les offrandes, voilà, et on monte à l'étage et là il y a les statues qui nous ont complètement sidérés parce que ce sont d'immenses statues, alors vraiment assez kitsch, voilà, qui font un peu guerre des étoiles. Regardez les chaussures par exemple. Alors là, on aime beaucoup cette divinité sur un dragon. Là, c'est une divinité sur un éléphant. Mais ce n'est pas aussi raffiné que dans les temples qu'on a vus avant. Hein. Voilà, un autre personnage. Vous voyez la taille quand même des statues. Hein. Et c'est... Bon, celui-là, il est très méchant. Alors, j'ai pris les mains, le centre, voilà la ceinture, les pieds. Et ensuite, ça, c'est une photo qui montre toutes les branches de la True Buddha School dans le monde entier. Ils sont très nombreux aux États-Unis. Hein. En fait, la branche même mère est censée être vers la Californie, je crois. Et ensuite, il y a tout un tas de dessins comme ça, mais que je ne passe pas. Enfin, vous devez les voir à gauche défiler, mais il y en a plein, plein, plein. Voilà, ça, c'est un petit temple dans le jardin. On quitte le bâtiment. Et ça, c'est encore un de leurs symboles. Voilà. Alors, ça, je pense que ça s'appelle des vajras. Ce sont des espèces de fouets, enfin, des objets qu'on tient et qui captent l'énergie de la terre. Hein. On va les trouver dans le bouddhisme aussi. Et on les a repérés là-dessus. Alors, j'arrête de partager ça. Et maintenant, ce sera l'avant-dernier parce que vous devez être fatigués. Mais je vais vous montrer Tiandi. Ce groupe qui donc vient de Chine aussi, taoïste, et puis bouddhisto-spirit, ils font beaucoup de spiritisme, c'est-à-dire qu'ils ont des médiums qui reçoivent des messages de l'au-delà et qui vont les écrire. J'ai pas le temps, il y en a un groupe qui fait ça beaucoup plus, mais j'ai pas eu le droit de prendre des photos, donc je peux pas vous en montrer. Alors, voilà, ça s'appelle Tianti ou Tiandi. C'est très, très sobre. Voilà l'hôtel. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant. Ça, c'est le fondateur. Donc, il a quand même son buste. Ou c'est celui-là, le fondateur. Et ensuite, je vous mets rapidement ça, parce que ça, c'est comme ça qu'il nous explique. J'y suis allée plusieurs fois. Hein. Mais rapidement, c'est pour croire en Dieu. Donc, il y a une espèce de monothéisme. Il faut ensuite propager, évidemment, disséminer la connaissance. Ils nous montrent des centres et ensuite, ils ont un centre de recherche qui est anthro-célestial, donc sur les rapports entre l'homme et le ciel. Alors, je passe tous ces trucs-là parce que c'est un peu barbant, surtout en femme. Mais ce qui m'a intéressé, c'est les rituels qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de s'agenouiller
qui est tout à fait étrange. Et ils doivent le faire un certain nombre de fois chaque jour pour empêcher la guerre atomique et pour empêcher que la Chine vienne attaquer Taïwan. Alors, je n'ai pas fait de film parce que mon appareil ne faisait pas de film, mais si vous les voyez, ils s'agenouillent très vite. Et alors, il y a quelque part un compteur, ils doivent le faire des centaines de fois. Alors, ils se couchent, ils se lèvent, ils ont les jambes d'une certaine façon. Massimo devrait avoir... Il faudrait que je récupère un petit film. Alors, il y a quelqu'un au gong, mais est-ce que j'en ai d'autres? Excusez-moi. Alors... On les voit là, c'est sur un écran. Et vous voyez, le but, c'est pour empêcher que Hiroshima et Nagasaki se reproduisent. Vous les voyez, ils sont là, ils sont assis, mais après, ils vont se lever. Alors, ensuite, le bâtiment lui-même est tout à fait stupéfiant. C'est un château, comme un château médiéval à la japonaise ou à, je sais pas, à la chinoise, qui est là, dedans, derrière les arbres. Donc, on s'avance, on arrive. Et ça, c'est une des terrasses. Ça, c'est leur sigle, très beau. Et voilà l'intérieur. Alors, vous voyez à quel point c'est épuré par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant. Ça, c'est l'hôtel, vous l'avez vu déjà. Voilà les murs, très, très beaux, où sont écrits, évidemment, des versets religieux. Ça, c'est le gong, le petit gong, ici, pour lire des litanies et tout ça. Les morceaux, les passages religieux sont sur du verre, et quand on sort sur la terrasse, on est sur cette espèce d'immense château fort. C'est un centre de retraite. Bon, ça, je vous les ai montrés, hein, déjà. Oui. Voilà, vous voyez comment ils tordent les jambes. Alors, c'est très bizarre comment ils font. Voilà, ils font ça, voilà. Mais c'est calculé tout ça pour empêcher la guerre atomique. Et il y avait un endroit, voilà, alors la vue, ben, comme un petit peu comme ce que vous avez vu pour Foguanshan, c'est toujours des eaux, des rivières, etc. Leurs cloches, des bâtiments, l'intérieur, et c'est le restaurant où nous avons nourri. Alors, vous avez toujours des gens qui filment en permanence tout ce qu'on peut faire. Et ce groupe, non seulement fait de la médiumnité, mais il fait de la guérison. Voilà. Et il fait de la guérison en tenant les mains d'une façon particulière. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de guérisseurs. Eux, c'est spécifique puisqu'on vous pointe la main sur le nez. Là, c'est Holly Fork, une amie. Je crois que c'est toi. Ça, c'est Margaret. Je crois que je vais t'avoir, Angélique. Oups. Ah, si. Tiens, voilà. Ça, c'est Angélique qui est en train de se faire soigner. Et tu as dit, Angélique, que tu avais ressenti quelque chose. On ressent le... Enfin, en tout cas, j'ai ressenti le passage des énergies, ouais, vraiment. Ah ouais, voilà. Il se passe quelque chose quand ils font ça. D'accord. Alors, moi qui suis d'une famille de guérisseurs, quand on me le fait, je ressens strictement rien, hein, mais bon. Et puis ça, c'était juste une photo, c'est une autre fois où on les avait vus, où on leur demande de nous expliquer les choses, etc. Ils sont très, très gentils et ils travaillent, hein, en partenariat avec le groupe qu'on a vu la semaine dernière, etc. Donc, ça, c'est Tianti. Voilà. Et puis, pour terminer, je vous montre quelque chose de radicalement différent, un petit peu étrange, qui sont les églises catholiques. Alors, zut, j'ai oublié les cimetières. Non, il ne faut pas que j'oublie les cimetières, parce que pour la cérémonie des ancêtres de la famille, c'est très important. Alors, voilà. Partager l'écran. Donc, ça, ce sont les cimetières non entretenus. Donc, je pense qu'ils les nettoient une fois par an. Mais ça, c'était au mois de juin. J'ai trouvé ça un petit peu étrange. En voilà d'autres tombes bien entretenues. C'est pris du bus, hein, donc c'est pas... Mais voilà à quoi ça ressemble de loin. Alors, évidemment, un temple, voilà. Ça, c'est ce qui était... Voilà. Et ça, c'est un cimetière qui était au-dessus de l'université où on avait notre congrès. Et c'est ça, les tours qu'il y a dans les cimetières. Alors, ces tours, c'est à la fois des temples, puis des hôtels, puis des restaurants. Hôtel, H-O-T-E-L. Hein, puisque les gens, quand ils viennent faire la cérémonie aux ancêtres, ils restent plusieurs jours. Ces cérémonies des ancêtres, si vous voulez des explications, il faut lire Vincent Gossart. Parce qu'il a expliqué tout ça, c'est-à-dire que les enfants, les petits-enfants, et ça va jusqu'à la 3e ou 4e génération, doivent faire des offrandes, doivent payer,
pour faire des cérémonies, afin que l'ancêtre évolue dans l'au-delà. Et lui, il a appelé ça bureaucratie et salut. Alors, il explique que Vincent Gossard, il y a deux possibilités pour les gens quand ils meurent, enfin quand ils préparent leur mort, surtout autrefois, maintenant ça doit être un petit peu émoussé, mais c'est soit devenir un ancêtre, mais vous n'allez être, disons, protégé par les vivants que sur 3 ou 4 générations. Donc au bout d'un moment, vous allez vraiment mourir. Mais pendant que vous êtes adulé encore et qu'il y a un rite pour vous de la part de vos enfants, vous allez progresser dans la bureaucratie céleste. Vous allez vous élever, comme dans l'administration chinoise ou l'administration française, vous allez passer d'assistant à petit chef, à patron, etc., etc. Vous allez avoir votre bureau avec votre numéro, etc. Et puis, quand vos descendants sont à la 4 ou 5e génération, ils en ont marre, vous mourrez. Et donc, Vincent explique que, en fait, la voie royale a été de rechercher l'immortalité par une divinisation qu'on prépare de son vivant. Donc ça, c'est passionnant quand Vincent Gossard explique ça. Moi, j'ai ces bouquins, vous pouvez les lire, etc. C'est tout à fait passionnant. Ça, c'est le cimetière et voilà les tombes. Donc tout ça, ce sont des tombes familiales. Celui-là est particulièrement bien entretenu. J'avoue que c'est tout à fait remarquable. Et vous voyez ici encore une tour qui est hôtel, supermarché, etc. Et temple. Et ça, c'est Taïwan, c'est assez typique du paysage de Taïwan, très volcanique. Ça aussi, c'est très, très, très beau. Là, j'étais vraiment impressionnée. Voilà les cimetières. Ça, c'est des rizières essentiellement qu'on voit. Taipei est là-bas. Mais pardon, là vous voyez bien là-dessus, on voit bien les petits toits. Donc c'est ce que moi je voyais d'un autre côté, mais c'est ça que j'apercevais de loin, des petites maisons qui n'étaient pas éclairées la nuit, forcément, puisque c'était les maisons des morts. Voilà encore une photo. C'est beau, hein, c'est le plus beau que j'ai jamais vu. Et ça, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur des tours. C'est une sorte de Bouddha. Donc ça, c'est un Bouddha, clairement un Bouddha. Mais si vous regardez bien, il y a aussi ici des divinités taoïstes. Et au-dessus, ce sont des supermarchés et des hôtels. Voilà la vue, une tombe, une tour. C'est énorme. Hein, ça penche un peu, pardon. Encore une autre, c'est dans un autre cimetière encore. Il y en a plein, plein, plein. Bon, c'est pour faire couleur locale, c'est la rizière. Et là, évidemment, j'étais très heureuse de prendre ça. Ça fait très exotique, les gens qui travaillent dans leur rizière. Voilà. Et enfin, maintenant, je vais vous montrer les quelques églises chrétiennes et vous allez voir pourquoi, pour nous visiteurs, ça manque un petit peu de couleur. Alors, j'en ai très peu parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, ça, c'est... Voilà. Bon, ça, c'est une vue des quartiers de Taipei. Mais c'est pas Taipei, c'est Taichung, au centre. Et j'avais repéré dans le guide qu'il y avait une très belle église et qui est une église, en fait, qui a été dessinée par l'architecte Pei, celui qui a fait la pyramide du Louvre. C'est une église de 1963 qui est sur le campus de l'université de Taichung et qui a été érigée en l'honneur du grand missionnaire protestant de Taïwan qui était Henry Luce, le fondateur de Time Magazine et de toutes les éditions de Time. Vous voyez, donc j'étais assez impressionnée de voir ça puisque je ne savais pas qu'il était allé là. Voilà l'intérieur. Donc, c'est 63, hein. J'ai fait des recherches hier pour trouver la date. C'est très beau, hein. Mais évidemment, c'est épuré à l'extrême. Et ça, c'est l'université protestante. Nous avions notre congrès il y a plus de 10 ans, qui a été fondée donc, par des presbytériens au 19e siècle, qui s'appelle Alithea, la vérité, et qui est sur la rivière. Alors ça, c'est le livre, la Bible, etc.,
Il y a un petit coin du parc qui est le collège d'Oxford. C'est toujours assez amusant de voir ça. Et j'ai trouvé aussi le temple mormon de Taipei, mais qui est très sobre aussi. Voilà. Alors, écoutez, les amis. Et puis, je vous montre la local church dont je vous parlais, cette église d'origine darbiste. Alors, je vous en montre juste un petit peu, qui est tout à fait impressionnante, mais qui existe dans toutes les villes de Chine. Donc, on l'appelle l'église locale parce que c'est une communauté qui s'installe dans une maison et qui n'a pas d'institution au sens chrétien classique du terme, mais qui finit quand même, comme les témoins de Jéhovah, par avoir une institution. Alors là, c'est juste pour vous montrer, c'est vu du bus aussi, c'est en plein centre de Taïwan qu'ils sont installés, donc là où l'immobilier est le plus cher. Hein. Donc là, voilà, ça c'est l'entrée de l'église. Alors je vous mets juste ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Sur les murs, il y a l'historique de l'église et Watchman Nee, c'est celui qui a fondé cette tradition darbiste pour les Chinois, et son élève était Witness Lee qui lui a succédé. Alors, je ne vous montre pas les détails de toutes les... Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer plein de photos ensuite. Mais voilà, pour vous montrer simplement la sobriété, ça c'est le bureau du fondateur. Tout le monde a trouvé que ça ressemblait au bureau de Ron Hubbard dans les églises de Scientologie. Ça c'est certainement son premier pupitre, hein, une espèce de lutrin d'où il faisait ses émissions à la radio. Et puis, il n'y a pas grande chose, hein. Je pense que ça c'est un petit musée, hein, donc accordéon, c'est pas très chinois, hein, tout ça, mais c'est comment la parole de la Bible s'est propagée en Amérique. Alors après on nous montre évidemment des diapos, c'est toujours pareil, hein, comment à partir d'un lieu ça va se répandre partout en Chine, etc. Là vous avez des milliers de gens, et puis ça c'est Witness Lee qui est en train de prêcher à Taipei. Ça, c'est comment les gens pratiquent, c'est-à-dire chez eux, non dans une église. Voilà. Ça, c'est pris sur écran, hein, donc ce n'est pas très, très bon. Mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a des milliards de gens et que l'Asie est évidemment un pays très prometteur, puisqu'il y a déjà 300 millions de chrétiens en Asie. Évidemment, en vous montrant tout ça, le pont avec toutes les voitures, vous imaginez tout de suite comment la religion va pouvoir se perpétuer absolument partout. Alors, voilà encore Witness Lee. Moi, ce qui m'a frappé, c'est comment tant de gens sont attirés par cette vision très épanouie. Alors, peut-être que c'est par réaction contre, effectivement, tout ce que je vous ai montré, cette opulence des temples locaux taoïstes, cette profusion de détails. Chez eux, il n'y a strictement rien. D'ailleurs, je n'ai pu rien prendre en photo puisqu'il n'y a rien. Ça, c'est par la fenêtre, mais je pense que je n'ai pas de... Ah si, voilà. Voilà, on est assis, on écoute. Ça, c'est le monsieur qui nous fait la présentation. Voilà Aileen qui est là. Voilà, on écoute, on lit. Ça, c'est on écoute ce qu'on nous dit. On a mangé tout seul. Ils n'ont pas mangé avec nous. Voilà les jeunes femmes qui sont habillées de façon très stricte, qui nous accueillent. Voilà, ce n'est pas du tout l'exubérance des temples chinois. Et ça, c'est la sortie. Voilà. Mais voilà quand même le bâtiment qu'ils possèdent intégralement. Donc, si vous voulez, c'est une église, certes, sans institutionnalisation, mais qui n'a pas complètement oublié de faire fructifier son argent. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop encombré l'esprit, mais vous avez là une idée du paysage religieux de Taïwan. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions ou des choses comme ça, mais voilà. Est-ce que je peux vous poser deux questions? Bien sûr, bien sûr. Oui. Comment toutes ces branches de religion qui ont finalement un peu le même socle, à part le protestantisme, enfin je parle des taoïstes, oui, peuvent coexister pacifiquement, il n'y a pas de rivalité. Alors, ce qui est, ça c'est ce qui effectivement nous frappe à nous, mm-hmm, c'est comment, parce qu'il y a
Alors, ça, c'est un petit peu, en fait, enfin, quasiment le modèle qu'on retrouve aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, Français, on est habitués à avoir une méga institution qui est l'Église catholique et qui a, jusqu'à Vatican II, disons, marché sur toutes les autres religions, y compris le protestantisme, le judaïsme, etc., en disant qu'il ne fallait pas sortir de cette Église, c'était la seule qui avait la vérité. Mais en fait, il y a d'autres pays où ça n'est absolument pas la règle, c'est-à-dire que chacune de ces Églises, alors honnêtement, je ne peux pas vous dire comment ça marche dans le taoïsme, je pense qu'elles sont autonomes, il n'y a pas de... Je ne pense pas, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste du tout et même ni mini-spécialiste. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grande structure taoïste qui dirigerait l'ensemble. C'est autonome, ce sont des groupes autonomes. Et dans le bouddhisme, pareil, ce sont des écoles qui sont totalement autonomes les unes des autres. Elles fonctionnent par maître et par disciple. Et quand le maître, vous avez vu ces temples absolument extraordinaire hein, du bouddhisme Fo Guang Chan, quand le maître sera mort, eh bien, s'il a, c'est toujours ce qu'on enseigne dans les cours de religion, lui, il avait ce qu'on appellera le charisme fondateur, et s'il a su préparer sa succession, c'est comme pour les grandes entreprises, hein, que ça soit Vinci, Givenchy, LVMH ou des choses comme ça, s'il a su préparer la suite, eh bien, ces temples-là vont pouvoir perdurer avec le suiveur, si vous voulez, hein, avec l'architecte qui va davantage institutionnaliser le groupe. Mais il y en a tellement, et les gens pratiquent véritablement beaucoup, beaucoup de religions, ça ne les dérange pas. Ils peuvent passer d'un temple à l'autre. Le groupe dont je vous ai parlé la semaine dernière, il est récent, il date des années 80. Les gens y vont parce qu'ils ont l'impression que ça les aide, surtout avec toute l'utilisation du feng shui de Li Qing. Et puis un jour, si ça leur convient plus, ils vont aller ailleurs. Moi, j'étais surprise, enfin Angélique était avec moi, de voir l'église de Scientologie à Kaohsiung, avec un nombre incroyable de gens, puisque j'ai visité des dizaines d'églises de scientologie de par le monde, enfin surtout en Amérique et en Europe, j'ai jamais vu autant de gens. Donc je me suis dit, mais c'est incroyable. Et c'est une de celles qui marche le mieux. Mais après, vous allez avoir les églises chrétiennes, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est par rapport à la Corée, c'est peu chrétien, mais il y en a quand même. Hein. Moi, j'ai une amie taïwanaise qui était assistante à la fac à Bordeaux, on en est devenu amie, qui était dans une école catholique, elle est devenue, mais elle n'était pas du tout catholique de naissance, elle est devenue catholique, et donc moi, je lui montrais toutes mes photos de Taïwan, et elle était très choquée que je puisse m'intéresser à ce qui, pour elle, était maintenant devenu des sectes. Et donc, c'est là que vous comprenez que dans la mentalité catholique, chrétienne en général, eh bien, il y a l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église chrétienne, et à côté, il n'y a que des superstitions. Et donc, elle a été très choquée qu'une Française catholique puisse s'intéresser à tous ces groupes-là. Mais elle a acquis la mentalité catholique, c'est-à-dire que non, on n'a plus le droit de regarder ça. Angélique, tu peux raconter l'histoire de ton étudiante à qui t'a montré les prières de Wei Xin Chen Zhao? Oui, c'était une étudiante du master économie du vin. Une chinoise, oui. À qui j'ai montré, et j'ai montré exactement ça. Hop, à savoir une petite carte qui nous avait été donnée par le Weixin, hop, recto verso. Et il y a plein de, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein d'inscriptions en chinois que je ne comprends pas puisque je ne lis pas le chinois. Et je lui ai demandé de me traduire ces inscriptions-là. Et elle a été extrêmement choquée. Elle m'a dit « Mais non, madame, c'est pas bien. » Alors, je lui ai demandé ce qu'elle entendait par « pas bien ». Et elle n'a pas voulu me répondre, en fait. Elle a dit « Non, ça, c'est vraiment… vous ne devriez pas avoir ça sur vous, madame. Je vous assure, c'est pas bien. » OK. Alors qu'apparemment, je l'ai fait traduire l'année suivante par une autre étudiante. Ce sont simplement des prières, tout simplement. Voilà. Et donc, on en a… Maybe, can you translate it for Eileen? Do you want me to translate? Yeah, what you said. Yeah, so Eileen, I just said that I showed one of my students this card that was given to us. You probably got the same by Weixin.
And it's just prayers, but she said, oh, no, no, miss, this is really no good. You shouldn't have this with you, really, honestly. I can't translate that. And she totally freaked out, actually. I don't know why. She was probably Christian. Probably. I don't know. Because my friend, who is a Catholic now, was shocked that I should be able to be interested in Weixin Chenzhou and showing, you know, photos of Taoist temples. She was very shocked. She says, you shouldn't do that. Donc, c'est pour ça, Mylène, ils ont une mentalité qui est très ouverte, puisque eux-mêmes, ils combinent. Alors, pour nous, c'est complètement sidérant. Vous avez vu, c'est du bouddhisme, du taoïsme. Enfin, on ne sait pas, nous. Et nous, on aime savoir si c'est la chrétien, la taoïste, la bouddhiste, etc. Mais je vous ai raconté, je pense, la dernière fois, où, quand la première... Je ne pense pas l'avoir dit la dernière fois, puisqu'il y avait des membres de Weixin qui suivaient. Mais quand on a eu une réunion avec les gens de Weixin, on nous a dit poser des questions. Et moi, j'ai posé la question, quand vous élaborez votre théologie et vos rituels, comment décidez-vous de prendre ça au bouddhisme, ça au taoïsme, ça au confucianisme? Comment vous élaborez ça? Puisque nous, moi, je voyais ça comme une recette de curry, un peu de turmeric, un peu de poivre, enfin voilà. Et la personne en fait qui devait traduire n'a pas été capable de comprendre ma question et donc n'a pas été capable de la traduire, et la réponse a été oui oui, nous adorons chanter les sutras. Et donc on a dû évidemment se retenir de rire parce que c'était assez inattendu, mais ils sont pas capables de comprendre ce qu'on veut dire, voyez. Nous, on veut savoir le petit, mais eux, non. Donc, c'est très, comment on appelle ça? C'est très hybride, mais en même temps, ils sont très tolérants. Fiona, que vous avez vue la semaine dernière, elle a pris des cours de scientologie, par exemple. Elle m'a dit que c'était très bien, ça l'avait beaucoup aidé. Elle travaille avec Tianti, elle travaille, c'est elle qui nous a amené voir la True Buddha School. Ils nous ont amené voir tous ces groupes-là. Ils travaillent ensemble. Donc, ils sont évidemment dans une forme de concurrence, mais ils sont surtout dans l'entraide. Et comme il n'y a pas une institution monstre qui mangerait tous les autres, il y a l'idée qu'il y a assez de gens pour alimenter en fait tous ces groupes. Il n'y a pas du tout la même idée que chez nous d'opposition entre les groupes. Mais moi, je trouve ça formidable parce que finalement, ils sont tous pratiquants et ils ne sont pas matérialistes. Ah si. Alors là, ils sont complètement matérialistes. La religion doit vous rendre riche. Ah bon, il n'y a pas cette dimension éthique et un peu spirituelle, ça n'existe oui, pas. Oui, si, il y a les deux. Il y a le côté spirituel. Ils appellent ça faire de la cultivation, hein? Enfin, cultivation. Individual cultivation, on appellerait ça, enfin cultiver son esprit hein, mm-hmm. par de la méditation, des prières, des chants de sutra, etc. Vous avez vu, les gens, là, ils sont dans la prière, hein, mm-hmm. mais la religion doit vous rendre à la fois heureux spirituellement, riche spirituellement et prospère. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, j'ai montré une tirelire. Moi, on m'a offert une tirelire. Oui, je me souviens. Et les gens qui... C'est pour ça que des groupes comme Weixin sont devenus en 40 ans très riches, parce que les cours ne sont pas riches, c'est pas cher. On m'avait dit $50 par mois. Mais apparemment, ce qu'ils enseignent en Feng Shui, en I Ching, et puis je ne sais pas moi, tout ce qu'ils font dans les églises, apaise tellement les gens et les rendent prospères. Notamment, ils vous expliquent comment monter votre magasin, comment faire ceci et cela. Enfin, moi, je me souviens que, je ne sais pas si vous... J'avais mis des tableaux derrière moi. Enfin, j'avais mis, vous savez, des grands placards la semaine dernière. Eh bien, normalement, grand maître doit vous dire où les mettre. C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre les tableaux n'importe comment. Vous devez les mettre d'une certaine façon. Et apparemment, si vous mettez un tableau, par exemple, son grand tableau, là où il représente un dragon, mais ça fait 2 mètres de long, donc moi, je ne l'ai mis nulle part. Mais il faut le mettre d'une certaine façon et il va ensuite vous apporter des bienfaits. Alors moi, il est dans un carton, je l'ai sorti la semaine dernière, mais je sais que par exemple, notre ami Gordon, Massimo a voulu l'encadrer et le mettre chez lui,
il a dû avoir l'autorisation de grand maître pour savoir le positionnement. Il a fallu envoyer des photos, le nord, le sud, l'est, ouest, la fenêtre, la porte, etc. Et à partir du moment où ça va être situé parfaitement, vous allez avoir des bienfaits. Et donc, ben, les gens, ils vont renvoyer de l'argent au groupe religieux, ils vont le remercier. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas matériels, ils sont autant que nous, sinon plus. Et quand les gens, vous les voyez en train de jeter les espèces de castagnettes par terre pour avoir des solutions, ça peut être tout à fait pour l'argent. Moi, j'ai vu dans des temples hindous, mais alors je ne les ai pas vus en Inde, puisque je n'y suis pas allée, mais à Atlanta. Aux États-Unis, vous avez tout. Il y a Atlanta, il y a un énorme temple hindou, et bien après, il y en a deux autres gros, et il y en a 50 en tout. Atlanta, parce qu'il y a une communauté de 500 000 Indiens d'Inde, très riche, très très riche. C'est les plus riches avec les Juifs et les Mormons, les Hindous. Eh bien, il y avait un prêtre qui faisait, donc il y avait un couple, c'était des Indiens, et un prêtre hindou. Et je suis allée, il était très gentil, donc quand il nous, donc il faisait des prières, etc. Ils avaient des, et je suis allée lui demander. Ce qu'il faisait, enfin, je n'ai pas demandé ce qu'il faisait, mais j'allais dire bonjour. Et ben, après, on a discuté. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et il m'a dit, ben, ces gens-là vont acheter, sont en train d'acheter une maison, ils ont les plans, et ils viennent ici pour avoir, pour savoir si la divinité, alors je ne sais plus si c'était, c'était un temple, là, je ne sais plus quelle divinité hindoue, va approuver leur choix. Donc, ils veulent savoir si le choix de cette maison qu'ils vont acheter est correct, s'ils vont avoir assez d'argent, etc. Donc, ils ont fait des offrandes à la divinité, je ne sais plus, c'était Shiva, je ne sais plus, et le prêtre a donné leur, a fait passer leur prière donc, à la divinité, et ils auraient la réponse quelques jours après dans leur tête pour savoir si c'était le bon choix. Et on nous a donné des bananes et des oranges puisqu'ils avaient donné beaucoup de choses, etc. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'ils soient purement dans le cheminement spirituel. Mais bon, comme nous aussi, le pur cheminement spirituel, on veut aussi l'appliquer dans la vie matérielle. Hein. Mais ils sont... Alors, on ne peut pas dire matérialiste, mais bon, parce que nous, c'est un côté négatif. Mais enfin, bon, ils vont là pour poser des questions pour la tenue quotidienne de leur vie, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Oui, mais moi, c'est ce que, alors encore une fois, hein, c'est ce que je peux vous dire d'observation. Hein. Mais en tout cas, le fait que les églises ne soient pas en concurrence, ça, c'est évident. Hein. Parce qu'on est, en plus, on s'est trimballé, nous, tout le temps, avec des gens de Taïwan qui nous menaient dans ces groupes-là. Et vous imaginez pas en France, un bon catholique vous emmener dans une église de scientologie à Bordeaux ou à Paris. Hein. Enfin, moi, les trucs que je fais, j'ai eu plusieurs fois des remarques très désagréables sur le fait que j'osais faire des choses pareilles. Et là-bas, non. Par curiosité, moi, je le fais. Mais non, voilà. Enfin, je ne sais pas, Angélique, je pense que c'est la même chose qui t'a frappée. Oui, absolument. Aucune concurrence. Ouais, mais il y en a vraiment beaucoup, hein, c'est impressionnant. Voilà.